Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre misérable, qui voudrait m'aimer? Moi dans ce monde, un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon. Dans ce monde difficile, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie, compagnon de route, dans ce monde difficile, compagnon de route, dans ce monde difficile, déçu dans ce monde, ne trouvant point d'amis. Oh, je vous en prie, montrez-moi un ami. Donnez-moi des conseils, comment le trouver, celui qui voudrait être mon compagnon, 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 dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile, oui, compagnon. Compagnon de route, ce monde difficile. Si comme moi vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pouvez le trouver. Car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi. Enfin je l'ai trouvé, mon genre de compagnon. Oui, compagnon. Dans la misère. Monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile, oui, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Tous vos compagnons le soir iront chez eux, mais mon compagnon en tout c'est un homme de compassion, ami de tout, oui, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile, oui, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affiler. Il est véritable et l'unique compagnon. Il donna même sa vie pour sauver ses amis. Il ouvre même la porte du salut. Abandonne tes recherches et reviens à Jésus. Il veut te sauver, te donner le bonheur, être son compagnon, son compagnon. Oh oui, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh oui, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie, compagnon de dans ce monde difficile, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer. Il est véritable et l'unique compagnon qui donna même sa vie pour sauver ses amis. Il ouvre même la porte du salut. Abandonne tes recherches et reviens à Jésus, il veut te sauver, te donner le bonheur, être son compagnon, son compagnon. Oui, compagnon, dans la misère, compagnon, dans la joie.
difficile. Compagnon de route, compagnon de vie. Oui, compagnon. Le Seigneur vous bénisse richement les enfants. Le Seigneur est l'unique compagnon, le seul ami que nous pouvons réellement avoir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous chantons le 324 dans les fardes, numéro 324 dans les fardes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus, Jésus, tu es là. Oh, et c'est toi, toi qui nous fais vivre. Tu es là. Jésus, tu es là. Oh, et c'est toi. Lève, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Rempli d'orage, dans tous les chefs de nos voyages, tu es Jésus, tu es là. Oh, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, Jésus, tu es là, ah, au cœur, oh, et c'est toi, vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, oh Jésus, tu es là. Oh, et c'est toi. Au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus, Jésus, tu es là. Oh, et c'est toi, lève, tu es là. Dans mon âme,
beau soleil, un rayon doux et joyeux. Oh, Anneka qui scintille, c'est le sourire de. Oh, quel beau. Je vais chanter. Oh, quel beau. Il est clair, illumine en tout quand parut un jour nouveau. Oh, loin, brillait mon profil devant un soleil si. Oh, quel beau. Il éclaire, il illumine en tout. Et je vais chanter pas. Oh, quel beau. Il éclaire, il illumine en tout Seigneur, je vous dis adieu. Voici, resplendit sur moi le soleil dans un ciel. Oh, quel beau. Il éclaire, il illumine en tout assez. Je vais chanter partout. Oh, oh, la mer qui est en nous, pour toi que se l'est arrivé. Je serai parmi les voiles qui loueront Dieu jour et. Oh, quel beau. Il éclaire, il illumine en tout assez. Et je vais chanter. Oh, quel beau. Il illumine en tout à ses rayons. Et je vais chanter. Louons, louons Jésus. Alléluia. Il est digne de louange. Alléluia. 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 Il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange.
Alléluia. Nous élevons ton nom, notre Père. Nous exaltons ton saint nom. Parce que il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu tous les démons, Seigneur. Dans ta présence, tout s'écrit gloire. Dans ta présence, il n'y a aucune situation qui peut rester sans solution. Dans ta présence, il n'y a aucune maladie qui peut rester incurable. Tu es le faiseur de l'impossible. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui encore, tu nous as rassemblés à tes pieds, notre Père. Comme Marie, Seigneur, nous voulons nous asseoir et être instruits par toi, notre Dieu. Pardonne encore nos péchés. Pardonne encore nos manquements, Père. Parce que personne ne peut s'approcher de toi tel qu'il est, notre Seigneur. Tu es celui qui pardonne et qui oublie. Tu es celui qui pardonne et qui nous purifie de toute iniquité. Seigneur, la réunion de ce matin est entre tes mains. C'est toi seul qui mérite l'adoration. C'est toi seul qui mérite la louange. La force que nous avons, la santé que nous avons, le privilège que nous avons d'être dans ta maison ce jour. Oh, beaucoup ne le réalisent pas.
mais à combien plus forte raison ton amour, Seigneur, se manifeste malgré nos péchés et malgré nos manquements. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu as choisi des hommes au travers de qui tu veux te manifester. Merci pour le berger, selon ton cœur que tu nous as donné. Les témoignages sont là. Ô Père, nous n'avons pas à discuter avec qui que ce soit, parce que toi-même tu descends et tu confirmes la parole de ton serviteur. Bénis-le encore ce matin. Seigneur, ce matin il se tient devant toi parce qu'il ne compte que sur toi. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui les paroles justes, ce dont nos âmes ont réellement besoin. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin avec une grande attente, Seigneur. C'est ne pas seulement de voir l'homme, mais au-delà de l'homme, nous voulons voir le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, manifesté dans la chair d'un homme. Viens encore nous parler, Père. Viens, Seigneur, nous révéler notre pensée. Viens nous révéler les secrets de nos cœurs. Viens manifester réellement ce qu'il y a au-dedans de nous, Seigneur. Toi qui nous connais, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais la pensée de chacun. Quand nous sommes venus dans cette maison ce matin, tu nous vois, tu nous connais. Ô Seigneur, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur. Voici, je suis sur une bonne voie, et conduis-moi sur le chemin de la justice. Seigneur, c'est toi que nous voulons et nous désirons. Seigneur, que réellement tout esprit qui n'est pas de toi soit réellement chassé de ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de notre Père. Seigneur, prends le contrôle, enlève le sommeil, enlève la fatigue, enlève, Seigneur, la timidité, enlève, Seigneur, mon Dieu, ô Père, l'incrédulité, que seuls ceux qui sont à toi puissent recevoir cette parole que tu as préparée pour nous. Seigneur, je te loue et je te bénis. Oins, Seigneur, mon Dieu, notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux spirituels afin de voir et de recevoir ce que toi tu as préparé pour nous. Merci pour le cœur qui se sont élancés devant toi. Merci pour la chorale. Merci pour les enfants qui ont chanté à la gloire de ton nom. Pour les témoignages, mon Sauveur. Pour les guérisons, notre Dieu. Oh, il y en aura encore davantage, Seigneur, parce que tu fais réellement des miracles parmi ton peuple, notre Dieu. Oh, je te remercie. Il y a point de plus grande joie que pour un seul pécheur qui se repent dans le ciel. Seigneur, nous nous approchons de toi afin de nous humilier et de te laisser réellement prendre le contrôle. Viens nous parler, viens nous visiter, viens nous fortifier. Sois glorifié, sois loué à jamais dans le nom merveilleux. Bénis tous nos frères qui sont en connexion. Père, ils sont beaucoup, ils sont nombreux ce matin devant leurs écrans pour suivre réellement le culte de ce jour éternel. Seigneur, ce n'est pas un homme qu'ils veulent voir, mais c'est toi, notre Sauveur, qui veut l'entendre. Viens, Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et demandé, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139. Psaume chapitre 139. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret,
tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang? Éloignez-vous de moi, ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ô Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ô Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, entends ma prière. Je veux garder, sauve mon âme, mon âme. Éternel, ô Seigneur, ô Seigneur, entends ma prière. Je veux garder, sauve mon âme. Infiel Dieu. Éternité. Que ton nom soit béni encore ce matin, mon sauveur. Que ton nom soit glorifié, mon maître béni. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu l'as dit, Père, qu'avant toi, il n'a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu. Mais tu demeures le seul et unique Dieu, mon sauveur. Toi qui as créé tout ce qui existe, mon Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et nous inclinons devant toi, mon maître béni. Reconnaissant nous avons été tirés de la poussière, ô notre Dieu, que la grâce d'avoir un Père comme toi, que la grâce d'avoir un Dieu comme toi, qui nous conduit encore aujourd'hui, qui nous éclaire, mon bien-aimé Seigneur. Nous étions égarés, mon bien-aimé Seigneur. Nous avons réellement ramené à toi, mon sauveur béni. Oh, comment ne pas te glorifier et te dire encore merci, Seigneur. Et ce matin, quand nous voulons nous tenir encore en ces lieux, Seigneur, c'est vraiment par ta grâce, mon Père, de voir mon frère, de voir ma sœur, de voir nos enfants, et aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en connexion dans différents pays, mon bien-aimé Père Tuissant. Louange et honneur à toi. Là où nous avons failli, que tu nous pardonnes, notre Dieu. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous voulons te servir jour et nuit, Seigneur. Être à ton service, à toi, mon bien-aimé Père Saint. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis nos enfants, Seigneur. Accorde-nous encore le soutien, le secours, comme tu le fais davantage, Père. Merci encore pour ce matin, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont venus tellement de loin, bien-aimés, Père, oh Dieu, pour être baptisés en cet endroit, Père. Tu es vraiment digne d'être adoré, Seigneur. Tu as un peuple, mon bien-aimé, Père, tu as des fils et tu as aussi des filles, mon sauveur.
Oh Dieu, nous sommes touchés dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint. Lorsque nous voyons ce que ta main à toi fait, Seigneur, tu ramènes encore tes enfants aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tissant. Tu agis encore d'une manière assez particulière, mon bien-aimé Seigneur. Comme si Dieu, mon bien-aimé Père, sois béni. Merci pour les chants et les cantiques. Merci encore pour les psaumes, bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour, oh Dieu, tous les témoignages qui ont été rendus à ton nom encore ce matin, bien-aimé Père. Parce que cela montre que tu vis encore aujourd'hui, Seigneur, que tu accomplis encore de merveilles, Père. Louange et honneur à toi, Seigneur Jésus. Sois donc glorifié encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta bonté, car nous t'avons ainsi prié et glorifié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu, ce qu'il nous a donné aussi un jour comme celui-ci. Nous pouvons nous retrouver dans sa maison et aussi avoir cette grâce et cette joie de pouvoir avoir aussi nos frères et sœurs qui sont venus de loin, de l'Allemagne, de si loin, mon frère Marcel avec sa famille et aussi notre sœur Marie-France et aussi la petite aussi. Nous remercions les seigneurs aussi pour ceux qui sont là aussi. Je pense aussi que l'INSEE, ceux qui vont aussi être baptisés aussi ce matin. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. Pour tout ce qui est venu de loin comme de près aussi, nous voulons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir avoir des frères et des sœurs dans différents endroits et qui aussi aiment le Seigneur de tout leur cœur. Par là aussi, nous aiment aussi parce que nous formons cette famille en Christ dans laquelle nous nous trouvons et nous nous sentons aussi bien. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a jugé bon de nous accorder dans un temps comme celui-ci, cette grâce de pouvoir réellement avoir une communion avec lui, si cette communion aussi avec nos frères et sœurs. Nous marchons et nous ne marchons pas seuls, parce qu'il a fait la promesse, il est vraiment merveilleux, notre Dieu, d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous le remercions de tout notre cœur pour ce qu'il fait, parce que réellement son nom est fidèle, il est vraiment fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, lorsque lui, il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle doit vraiment exister. Nous sommes consolés de ce que nous avons un Dieu comme lui, qui tient réellement à sa parole et aussi à ses promesses, et qui démontre qu'effectivement, que ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fera aussi dans les temps présents, et il le fera aussi dans le temps aussi à venir. Et nous comptons sur sa promesse et sur sa grâce aussi, ce que nous voulons qu'il nous aide à ce que nous puissions vraiment rester dans la marche, effectivement, dans la voie dans laquelle lui, il a voulu que nous puissions nous trouver. Et c'est là qu'il nous console de savoir que si c'est là qu'il a voulu que nous soyons, c'est sûr et certain, nous le verrons. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Aussi longtemps que le monde est dans les gens, que le monde est là, ils peuvent pas voir le Seigneur. Mais lorsque nous nous retrouvons effectivement dans le lieu que le Seigneur a voulu que nous soyons, alors là, c'est certain que nous pourrons le voir. C'est pourquoi nous désirons réellement de tout notre cœur et soupirons de tout notre cœur de ce que nous puissions être placés là où il veut que nous soyons placés et que positionnés effectivement dans les choses qui le concernent. Nous voulons travailler avec le Seigneur parce que nous ne voulons pas travailler en vain. Nous voulons réellement qu'il nous accorde réellement cette grâce de pouvoir agir selon sa propre volonté. Comme il a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père demande et recherche. Nous voulons vraiment être placés dans les choses justes, comme le Seigneur le veut, non pas comme nous pouvons arriver à pouvoir l'imaginer ou penser, mais que nous puissions réellement être certains que ça, ce n'est pas ce que l'homme peut penser, mais ceci, c'est ce que Dieu a eu à pouvoir vouloir que cela soit fait. C'est comme cela qu'il a dit à Moïse, monte sur la montagne, et je te montrerai effectivement les choses. Et Moïse était certain parce que il a eu la grâce de pouvoir voir réellement l'original pour arriver à pouvoir maintenant faire ce qu'il en était comme copie sur la terre. Il fallait que, comme le Seigneur lui a dit, aie bien soin de faire les choses selon les modèles qui t'ont été montrés. Donc, il a pu voir que si Dieu n'avait pas intervenu et que le Seigneur ne lui aurait pas montré les choses comme cela, il aurait peut-être fait comme les hommes auraient voulu qu'il fasse, selon que comme aussi Aaron a eu à pouvoir faire aussi, poussé par la pression des hommes,
il a pu fabriquer effectivement ces veaux d'or, effectivement, qu'il a eu à pouvoir mettre au devant du peuple d'Israël. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Parce que les temps deviennent tellement difficiles et que les ténèbres commencent à couvrir davantage et la surface de la terre. Nous implorons la grâce du Seigneur qui, oh, que ce merveilleux, parce que il est vraiment, c'est là ce qui nous console, parce que il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si les ténèbres deviennent épaisses, nous sommes sûrs et certains qu'il y a toujours une lumière qui brille. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière à toi arrive. Donc, nous sommes heureux alors que le monde, la terre entière, effectivement, les hommes sur la terre marchent dans les ténèbres et ils ne voient pas où ils vont, les religions aussi également. Mais sur toi, le Seigneur s'est levé pour que tu puisses avoir la lumière et que tu puisses marcher en conformité de sa parole. Oh, nous réjouissons de cette grâce que Dieu nous a accordée, de la manière dont il nous conduit pour que nous puissions avoir cette assurance, cette certitude que nous ne sommes pas en train de pouvoir tâtonner avec le peut-être, mais nous sommes dans ce qui est sûr et certain. Et nous nous accrochons à la chose qui est sûre parce que cela a été donc éprouvé, parce que la parole de Dieu est une parole éprouvée, une parole sûre dont on a cette certitude que depuis les temps anciens, il a toujours confirmé quand il dit une chose, peu importe les temps et les circonstances, sa parole s'accomplit toujours. Donc, nous avons le témoignage, non seulement pour ceux qui s'étaient donc dit dans les temps passés, mais aussi en rapport avec chacun de nous aussi. Donc, nous avons pu réaliser que cette parole divine de Dieu a la puissance de pouvoir te garder vraiment de la manière à ce que tu puisses réellement être comme Dieu le veut, puisque quand nous avons regardé aussi Noé, c'est comme cela aussi. Quand il a entendu la parole du Seigneur, il l'a reçu de tout son cœur, effectivement. Et nous avons vu comment Dieu a eu à pouvoir agir. Alors, ce n'était pas question de nombre de gens, parce que à l'époque de Noé, c'était des foules, des milliers, des centaines de personnes. Il y en avait beaucoup, mais il a fallu seulement que Dieu trouve un seul homme. Un seul homme, effectivement, parmi des milliers qui étaient là, et que Dieu s'adresse, parce que la Bible dit, il dit Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Donc mon frère et ma sœur, il faut que tu sois aussi l'un d'entre eux. Que ne regarde pas le nombre de gens, la foule, oui, il y en a des croyants, c'est pas ça ton problème. Ton problème, Seigneur, mon problème, c'est toi. Comme Noé, en ces temps-là, il était que seul, il y avait beaucoup de gens. Il voulait l'influencer à gauche et à droite, lui montrant que toi, tu es... Mais Noé ne pouvait pas se laisser influencer. Il avait quelque chose dedans de lui qui soupirait après Dieu. Mettez-vous à la place de tel homme, mon frère. Nous allons lire l'Écriture. Un homme qui, dans son temps, depuis que le ciel et la terre existent, il était aussi comme un homme comme tous les autres, mais il n'avait jamais vu la pluie. Jamais vu l'eau qui descendait du ciel, effectivement, et puis arrosée. Non, il n'avait jamais vu cela. Mais Dieu lui donne un message, une parole qui est paradoxale par rapport, effectivement, à la conception de l'homme, effectivement. Et cet homme-là, confiance, il a foi en son Dieu, il croit que ce que Dieu a dit est vraiment vrai. Sans avoir vu. C'est pour ça, notre problème, c'est que nous cherchons d'abord de pouvoir voir pour croire. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que c'est de voir si tu peux lui faire confiance sans avoir vu. Et savoir connaître que comment peux-tu lui faire confiance? Mais pour lui faire confiance, il faut le connaître. Et sûr et certain, tu sais qui il est. Alors à ce moment-là, c'est vraiment avec certitude que je me dis, mais quand il me dit une chose, je crois. Même je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai confiance. Et c'est comme cela que Noé s'est tenu aussi dans le temps dans lequel il a aussi vécu. Nous remercions vraiment notre Dieu de grâce qui nous a montré dans les Saintes Écritures comment les hommes ont été vainqueurs, effectivement. Et cela, nous réalisons que même dans les Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est relaté effectivement ces événements qui sont tellement d'une importance pour que nous comprenions réellement comment ces hommes et ces femmes ont eu à pouvoir réellement avoir des victoires et tellement aussi puissantes. Regardez bien, et quand nous pouvons voir lorsque l'armée des Philistins avait campé contre l'armée d'Israël,
et qu'il y avait effectivement un Philistin qui était tellement grand, géant aussi effectivement, et qui dépassait tout le monde effectivement, et sa lance était grande, son épée aussi effectivement, et avec aussi son bouclier et puis son casque derrière effectivement, l'homme était vraiment un homme de guerre, et il y avait personne en fait dans les camps d'Israël qui pouvait arriver à pouvoir vraiment répondre à son défi effectivement, parce qu'il a défié l'armée du Dieu vivant effectivement, l'armée donc d'Israël. Donc c'était l'armée d'Israël qui l'a défié. Et voilà que il y a un bonhomme qui vient, qui rentre, comme vous le savez, du nom de David, et qui entend effectivement cet homme vociférer, dire des choses effectivement et insulter l'armée d'Israël. Cet homme, cet enfant qui s'est levé, qui s'est tenu là, il n'avait pas quelqu'un autour de lui. Et même on a voulu lui donner effectivement l'armure pour le protéger. C'était tellement si lourd. Mais il y avait quelque chose qu'il avait. Il avait confiance et foi dans celui en qui il avait donc une expérience avec. Donc, le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu d'Israël, n'était pas un étranger pour, effectivement, David. Donc, David était sûr de son Dieu parce qu'il le connaissait. Et il avait une confiance extraordinaire en ses dieux parce que il pouvait se tenir devant ces Philistins sans avoir réellement vu la chose, il dit, mais ta tête à toi, je la couperai aujourd'hui. Un géant comme celui-là lui dit effectivement que ta tête, je vais la couper aujourd'hui. Aujourd'hui même, je donnerai effectivement ta tête aux anges du ciel. Donc, ce jeune homme avait une telle assurance de pouvoir faire cette déclaration parce que il avait quelque part où il savait qu'effectivement que j'ai un Dieu qui n'a jamais failli. Parce que dans sa marche, effectivement, il avait eu l'expérience avec ses dieux. C'est cela, mon frère et ma soeur, avant que nous lisions l'Écriture, que Dieu veut que tu puisses arriver à pouvoir avoir, comme le Seigneur le dit, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc si déjà tu ne crois pas qu'il existe, Dieu ne peut pas te faire du bien. Mais pour que Dieu te fasse du bien et que tu puisses avoir maintenant la victoire en réalité dans ce qui se passe effectivement pour toi, il y a quelque chose que tu dois réellement avoir. C'est cette confiance, cette foi que tu dois placer dans ces dieux que toi tu connais, que tu as eu à pouvoir comprendre vraiment il est capable, parce que tu peux pas me dire, mais frère, comment est-ce que moi je peux arriver à pouvoir voir que ce Dieu est capable? Mais ma bien-aimée sœur et mon bien-aimé frère, nous avons un livre ici de témoignages. Et comme nous l'avons dit il y a quelques jours de cela, il est le faiseur de l'impossible, de l'impossible, de l'impossible. Amen. Donc l'impossible, de l'impossible, l'impossible, il fait cet impossible-là. Il accomplit ça. Et il a prouvé dans les Saintes Écritures. Quand tu prends simplement la Genèse, juste en lisant, tu peux réaliser qu'effectivement, que non, c'est Dieu ici, les hommes qui ont eu confiance en lui. Juste pour simplement lire avec vous, on lit dans les Hébreux, puis je prends dans les Saintes, dans l'Écriture que nous voulons voir ce matin. Hébreux au chapitre 13. Regardez bien qu'est-ce qu'il nous dit dans les livres des Hébreux au chapitre 13. Je pense que c'est cela. Au chapitre 11, pardon. Je pense que c'est chapitre 11. Oui, je pense, oui. C'est pas du 11. Oui, c'est cela, oui. Regardez bien. Et c'est cela, oui. Oui. Voilà. Regardez bien. Chapitre 11 des Hébreux, c'est cela, oui, je pense. Chapitre 11 des Hébreux, jusqu'au l'illusion, verset 32. 11, 32, il nous dit. Vous y êtes? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vaincurent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, pour nous montrer que tous ces hommes-là, effectivement, et les femmes, s'ils ont pu avoir, effectivement, la victoire, même tant sur leur maladie ou sur même leurs ennemis, effectivement, mais c'est parce que ils avaient quelque chose sur lequel ils pouvaient avoir la certitude, voire s'appuyer sur cela, dire que, en tout cas, avec lui, j'ai confiance. Ce que lui me dira de pouvoir faire, je parle de Dieu, effectivement. Alors, il dit, si je fais comme Dieu l'a dit, c'est sûr et certain,
Noé, il savait effectivement qu'il n'avait jamais plus, mais Dieu lui dit de construire l'arche. Frères et sœurs, mais il faut que quelque part que tu puisses arriver à pouvoir te dire, mais non, si je réfléchis comme l'être humain, je ne peux pas faire ça parce que même mes concitoyens vont me traiter de fou. Et il n'a pas regardé à cela. Dieu lui a dit, construis l'arche. Il a obéi sans tenir compte de ce que les hommes pouvaient lui dire effectivement. Et quand il a obéi à cela, il a pu rendre gloire au Seigneur parce que c'est un... Et regardez ce qui est merveilleux. Dieu lui a... Donc, quand Dieu nous parle, frère, on doit prêter attention. Dieu lui a dit de ne pas prendre n'importe quel bois. Non. Il a dit, va prendre le bois de Gophet. Donc, Dieu lui a décrit les choses qu'il fallait faire. S'il lui disait, non, je vais prendre le bois noir ou le bois de chêne, les choses n'auraient pas marché. Donc, il fallait un bois que Dieu avait, parce que Dieu savait pourquoi le disait. Donc, il fallait enduire de ceci. C'est donc tout ce que Dieu lui disait, il fallait qu'il l'utilise, effectivement. C'est à ce moment-là que cet homme, quand il rentrait, effectivement, dans l'arche, il pourrait dire, mais Seigneur, mon Dieu, j'ai fait des choses comme tu me l'as demandé. Donc là, je sais que ici, je n'ai rien mis de moi-même. Tout ce qui est ici, le bois de Gopher, et puis l'enduit, tout ça, Seigneur, je l'ai fait selon ta parole à toi. Maintenant, que dois-je faire? Je dis, mais les animaux vont venir. Et c'est là qu'ils voient que réellement que Dieu est tellement grand. Après avoir fait tout comme Dieu l'avait dit, laissez Dieu faire son travail. Si tu as eu simplement à croire, dis, mais on a prié pour moi, Seigneur, moi, quand je m'élèverai de cet endroit comme on a prié pour moi, je ne m'occuperai plus de rien. Ma foi a été placée en toi, le reste c'est toi qui t'en occuperas. Même si je sors, je sens encore la douleur, je ne regarde pas la douleur. Même si je sors, je vois encore des factures, je ne regarde pas les factures. Parce que j'ai déposé mon fardeau à tes pieds, maintenant prends le contrôle. C'est ainsi que Noé a eu à pouvoir faire. Parce que Noé ne voulait pas prendre les flèches pour aller chasser les animaux. Non! Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse, il est resté tranquille, Dieu s'est mis au travail. Il a commencé à faire venir chaque... On voit, il y a ceci qui vient, donc, il était, je crois qu'il était étonné de voir combien les animaux pouvaient obéir à la voix de Dieu par rapport à un être humain. Il a prêché aux hommes, les hommes n'ont pas voulu écouter. Mais Dieu parle aux animaux et les animaux obéissent. Même les lions, même les animaux les plus féroces venaient et habitaient effectivement dans cette arche-là. Et puis, il a pu voir effectivement que Dieu avait raison. Pourquoi il fallait les bois de Gopher? Pourquoi il fallait ceci? Parce que quand l'eau est arrivée, le déluge est arrivé, l'arche a été transportée. Et tout ce qui a été utilisé, effectivement, a permis qu'il n'y ait pas de fuite. Qu'il n'y ait pas que le bois devienne trempé dans l'eau. Non, mon frère, ma soeur, quand Dieu nous parle, même si nous ne comprenons pas, faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est notre bonheur. Lève-nous, nous lisons dans Joël. Au chapitre 1, Joël chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1, il dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères ? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Je veux que vous prêtiez attention. Ce que a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Je relis pour que vous puissiez bien prêter attention. Ce que a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce que a laissé la sauterelle, les Yélek l'a dévoré. Ce que a laissé les Yélek, les Asil l'a dévoré. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais te dire encore merci. Combien nous sommes dans la joie, dans les grâces de nous tenir encore dans ta maison, Père, et de pouvoir voir ce que tu fais au milieu de nos personnes et dans le cœur de ton peuple, dans leur vie aussi, Père. Et nous sommes dans la joie, Père, de pouvoir voir que tu es vraiment vivant. Je voudrais lire cette écriture, mon Père Saint, que tu puisses encore nous aider, Père, à pouvoir nous accrocher à toi et entendre ta voix, parce que nous avons besoin de toi. Ton peuple, nous sommes tous là. Nous voulons t'entendre encore nous parler, Père. Combien nous sommes déjà dans la joie de voyant que tu as l'œuvre, Père. Puisses-tu vraiment nous
remplir encore par ta puissance. J'implore ta grâce encore ce matin, Seigneur Dieu, pour que tu m'accordes la grâce, enfin, que ton peuple n'entende que ta voix à toi, Père. Par mes pensées, mon bien-aimé, par ta puissance, ce que j'aurais conçu, que tu puisses aussi enlever cela, mon bien-aimé, Père Saint, mais ça soit toi qui m'aide encore aujourd'hui, parce que nous voulons seulement entendre ce que tu as à nous dire encore, parce que nous voulons marcher avec toi, Père. Pardonne-moi, Père, pour tout, et accorde encore la grâce à ton peuple, Père, à chacun de nous encore cet après-midi, Père, quand t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons dans l'écriture que nous venons de pouvoir lire comment les choses ont été spécifiées d'une manière assez claire et précise, comment le Seigneur a voulu que ces choses soient bien entendues et aussi bien comprises. Alors, quand il a appelé effectivement Joël, le prophète Joël, effectivement, en donnant effectivement aussi cette parole où il dit « Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. » C'est pour dire qu'effectivement que faites bien attention à ce que vous allez entendre. Il faut que vous puissiez être attentifs. Donc, prêtez bien attention, prêtez bien l'oreille et écoutez très bien, afin que vous compreniez en réalité ce qui se passera et ce qui se passe effectivement. Alors, il est décrit effectivement en donnant le message, comme il est dit ici au verset. D'abord, il dit, racontez-le à votre, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Et puis il dit, ce que le Gazam a laissé. C'est-à-dire qu'effectivement, que, c'est quelque chose que on était en train de pouvoir dévorer, manger en fait. Parce qu'il a dit, mais ce qu'il a laissé. Là, nous voyons qu'il dit, c'est que le Gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. On a bien dit dévoré, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le Gazam, lui, il a dévoré, il a vraiment aussi mangé comme il voulait manger. Et puis, il a dit que bon, j'ai mangé comme je voulais manger, mais je laisse le reste, effectivement, parce que je ne sais pas encore l'ajouter encore dans mon estomac. Alors, au lieu que le reste puisse rester, non. Maintenant, on nous dit qu'effectivement, que la sauterelle vient. Sur ce que les Gazam a laissé, la sauterelle vient, il vient pour dévorer ça. La sauterelle dévore vraiment avec voracité, il dévore parce qu'il veut tout manger. Et voilà que l'Écriture dit, mais comme il n'a pas tout mangé, effectivement, et qu'il était plein, il dit, bon, ce que a laissé la sauterelle, maintenant vient maintenant le Yélek qui a dévoré. Est-ce que vous voyez l'image? Je veux que vous voyez cela, c'est important. Donc, les Gazam a commencé à pouvoir d'abord dévorer. Il a dévoré et puis il n'a pas tout terminé parce que tout ne veut pas rentrer. Et puis il dit, bon, je laisse maintenant. Donc, quand on laisse, on dit, mais l'espérance est là, bon, comme on a laissé. Mais non, à peine qu'il s'est déplacé, effectivement, on voit maintenant, comme il dit, effectivement, ici, qui rentre, effectivement, la sauterelle. La sauterelle qui vient aussi, donc, sur ce que les Gazam a laissé. Il commence maintenant à dévorer, effectivement, à dévorer. Et puis, la sauterelle dit, bon, maintenant, j'ai bien dévoré, maintenant, je ne sais plus ajouter encore. Je laisse la petite partie, effectivement. On lui dit que la partie qu'a laissé la sauterelle, eh ben, on pensait que c'était fini. Le Yélek s'élève aussi, il vient aussi pour dévorer. Il dévore, parce que quand on dit dévorer, c'est vraiment tout manger. Hein. Il dévore, effectivement, il dit, bon, j'ai dévoré. Et puis, quand il a dévoré, maintenant, il sent que là, j'ai tout arraché, ce que moi, je devais arracher. Parce que les Gazam devaient arracher ce qu'il lui trouvait que c'est ça que je veux avoir. Voyez-vous, c'est important, mon frère et ma sœur. Donnez un exemple pour que vous puissiez juste voir cela. Nous avons ici, soit une chèvre, et puis là nous avons un chien. Le chien, quand il doit manger, effectivement, il va manger, il va pas manger l'herbe. Est-ce que vous suivez? Je donne cet exemple pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a. Donc, le chien, lui, quand il est dans le lieu où il y a effectivement la viande, il va manger tout ce qui concerne la viande. Donc tout ce qui est comme viande, effectivement, dans cet endroit, il va s'occuper seulement de cela.
Et il va manger la viande. Quand il a vu effectivement qu'il a terminé maintenant sa partie de viande, qui ne reste simplement peut-être que l'herbe à côté, il va pas toucher l'herbe parce qu'il dit, mais j'ai terminé ce que je voulais. Vous comprenez? Maintenant, la chèvre, quand il vient, il va pas manger la viande puisque lui, il va manger ce qui le concerne. Il va prendre l'herbe là, il va bien la manger parce qu'il dit, mais c'est ça que je veux en fait. Donc, chaque partie, effectivement, avait sa spécificité. Est-ce que vous avez compris? Donc, le premier a vraiment dévoré. Il a dévoré ce qu'il avait, effectivement, et puis il a laissé. On dira, bon, comme il a laissé. Puis le second est venu aussi, comme l'Écriture le dit. Et là, c'est là, le Yélec qui est venu. Le Yélec a dévoré ce que la sauterelle a laissé. Et puis on dit, mais, et puis le Yélec, après d'avoir mangé, dévoré, effectivement, il dit, mais, je laisse là aussi. Et ce qu'il a laissé, le asile, l'a aussi dévoré. Donc, effectivement, si on regarde cela, on peut dire, imaginez que ce soit peut-être, je ne sais pas moi, une vache, ou pas moi, mais bon, ici, c'est qu'on sait que quand on parle de ces insectes, effectivement, quand on parle de cela, il s'agit de l'herbe. Donc l'herbe, effectivement, il s'agit en fait d'une plante. Une plante, effectivement, il s'agit de l'arbre. Regardez bien. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit ce que vraiment, quand ils ont dévoré, parce que les derniers venaient la dévorer, ça veut dire que cette plante même qui était là, on l'a complètement manger, donc il ne reste absolument rien. Donc la manière dont on s'est attaqué à cette plante-là, on a vu que c'était vraiment une manière acharnée. Donc on a voulu tout dévorer parce que ils se sont suivis en fait, effectivement. L'un a dévoré ce qu'elle laissait, l'autre a suivi, jusqu'à ce qu'on ait tout dévoré. Mais quel acharnement en fait. C'est qu'on pouvait dire, bon, les Gaza m'ont mangé, évidemment, bon, il est parti, bon, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais l'acharnement était que non, il faut qu'on termine cette chose-là, il faut qu'on puisse complètement l'arracher et complètement la manger, la détruire complètement. C'est important. Regardez, mon frère et ma sœur, l'acharnement. Peut-être, ce que nous lisons ici, en parlant de Gaza, sauterelle, Yélec et Asile, effectivement, c'est un insecte. Cet insecte-là, voyez-vous, ce sont ce que nous avons entendu de nom qu'on appelle. Ce sont les quatre formes d'un seul insecte, la sauterelle. Donc toutes ces formes que vous entendez ici, ce sont les formes effectivement de cet insecte, effectivement différentes phases de cet insecte-là. Donc il se met au travail effectivement et on voit que il y a quatre phases, effectivement, dans lesquelles, en fait, il s'est mis au travail pour arriver à pouvoir chercher son métacordier. Donc, cette plante-là, il faut que je puisse complètement et totalement arracher et la dévorer. Et ça, c'est ce que le Seigneur, ici, il dit, parce que il parle, effectivement, à son peuple. Il dit, mais qu'il prête, effectivement, l'oreille et prête attention à ce qui va être dit en réalité. Et le Seigneur a donné, effectivement, cette image-là, montrant effectivement comment la sauterelle, effectivement, dans ces quatre phases, arrive à pouvoir complètement manger, effectivement, cette plante, effectivement, ou cet arbre, effectivement, qui est là, parce qu'il aime bien cela, effectivement. Il a bien à manger, l'écorce et tout, il a enlevé tout. Et c'est toujours le même Dieu qui, en parlant là-dedans, dans le chapitre 2, il nous dit ceci. Nous lisons cela avec vous, hein. Chapitre 2 de Joël. Alors nous allons lire avec vous au chapitre 2 à partir du verset 23. Joël 2, 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que nous avons lu là-bas en parlant, il parlait effectivement de la sauterelle. Et puis, il nous a parlé de Yélec, les Gazam, la sauterelle, les Yélec et l'asile. Vous vous souvenez, non? Vous l'avez quand même lu avec moi. Amen. J'ai toujours dit, quand vous vous souvenez, dites quand même Amen. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Amen. Ok. Là, il parlait effectivement de sauterelles, n'est-ce pas?
Et ici, on retourne dans le chapitre 2, toujours dans Joël. Et ici, on entend qu'il parle effectivement des enfants de Sion. Prêtez attention comme nous l'avons entendu. Il dit, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Ça, c'est ce qui est merveilleux de pouvoir entendre, que le Seigneur, notre Sauveur, parle de la pluie en son temps. Vous suivez cela? Il dit, moi l'Éternel, votre Dieu, il dit, mais réjouissez-vous, pas en un autre Dieu, mais en l'Éternel, votre Dieu. Donc, Dieu s'est réellement aussi identifié comme étant le Dieu d'Israël, parce que Sion est le nom poétique de Jérusalem. Vous connaissez, non? Donc, enfant de Sion, donc enfant de Jérusalem. Donc, il dit, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Ce qui est merveilleux, c'est d'entendre qu'il a dit qu'il enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Comme autrefois. Vous suivez? Alors il dit ceci. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous restaurerai les années qu'on dévorait qui la sauterelle, les yélec, les asiles et les gazam. Donc, c'est Dieu qui parle, effectivement, ici. Il transporte maintenant cela, ce que nous avons lu avec vous, effectivement, dans le chapitre 1. Les sauterelles, effectivement. Il montre, effectivement, que c'est quelque chose qui s'est passé parce que là, il a donné une image tout à fait, effectivement, naturelle pour montrer quelque chose qui se passe, effectivement, dans les spirituels. Il dit, je vous passerai, effectivement, ce que les Gazam, c'est que la sauterelle, c'est que le yélec, c'est que les Gazam ont dévoré. Ce n'était pas en réalité, effectivement, les arbres parce qu'ils sont restés de mais en fait, c'était effectivement ce qui s'est passé au milieu du peuple de Dieu. Parce que là, il dit maintenant, il dit, je vous remplacer. Parce qu'en fait, si c'était des arbres, simplement, il n'avait pas parlé aux arbres. Ici, il parle, en fait, il a dit, mais je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Yélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, il dit, vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? Il parle effectivement de restaurer et puis il parle effectivement de confusion. Est-ce que vous comprenez? Donc, on passe des choses qui sont naturelles aux choses qui sont spirituelles. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, regardez bien. Verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous avez entendu? Amen. Nous continuons. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Ici, on nous ramène effectivement à quelque chose, toujours en rapport avec ce qu'a dévoré les Gazam, effectivement, ainsi de suite. Et puis ici, en rapport avec la restauration, il nous dit ici quelque chose qui nous frappe effectivement ici au verset 31. Il dit, le soleil, chapitre 2, le soleil descendra en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors là, nous voyons qu'effectivement, il est parlé maintenant en passant de là à là à là, jusqu'à ce qu'on entende qu'il y a un jour du Seigneur qui est déterminé. Et là même, il nous fait comprendre que, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Donc, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous devons vraiment prêtez attention à la parole de Dieu. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose.
En lisant dans Joël chapitre 1, on a remarqué que c'était un insecte. Vous avez entendu? La sauterelle. Mais cet insecte, effectivement, passe par quatre phases. Vous suivez? Quatre phases. Même insecte. Dans son opération, je veux que vous prêtiez vraiment attention, mon frère et ma soeur. Même si, vous dites que c'est frère, nous savions un peu. Je dis, mais je veux que vous prêtiez attention. Cet insecte, c'est la sauterelle. La Bible nous a montré effectivement qu'elle passe par quatre phases. Et ces quatre phases, effectivement, l'objectif était de pouvoir dévorer et tout terminer, effectivement, pour que quand elle a dévoré, qu'absolument il n'y ait plus rien. Donc quand elle dévore, il n'y a absolument rien. Et là, il a fait vraiment son travail. D'abord, il a commencé par sa phase, effectivement, des gazames, comme on l'a vu. Sauterelle, effectivement. Yélec, effectivement. Et puis les asiles. Dévorant tout ce qui est devenu, effectivement, pour qu'il ne reste absolument rien. Alors, le Seigneur, il vient, il dit, effectivement, je vous restaurerai les années qu'on dévorait. Donc, ces quatre insectes, effectivement, dont un seul qui a eu à pouvoir le faire, effectivement, dans différentes phases. Est-ce que vous suivez? Et de là, on arrive à ce que, plus bas, il nous dit qu'effectivement, que, oh, après cela, donc, d'abord, il parle, effectivement, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, verront les sons, ainsi de suite. Et puis nous avons lu, là aussi, il a parlé effectivement avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Donc, nous comprenons, que Dieu va faire quelque chose, puisque c'est sa promesse, effectivement. Il a dit qu'il va certainement restaurer, effectivement, et redonner, effectivement, ce que les Gazam, la sauterelle, les Yélec et les Yazil, effectivement, et ont eu à pouvoir dévorer. Et il dit, mais vous vous réjouirez, vous serez tellement bien, et les airs se rejoindront de mou, effectivement. Et puis il dit, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Deux fois, il dit, mais je répandrai sur vous, effectivement, mon esprit. Et puis, il a dit aussi quelque chose ici, dans l'écriture que nous avons lu avec vous, votre attention toujours. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la pluie en son temps. Et puis, il parle plus bas, il dit, mais il enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Ya, monsieur. Ça, c'est quelque chose de tellement aussi important. Donc, en ayant lu cela, mon frère et ma soeur, nous voulons poser la question de pouvoir savoir où est-ce que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement nous amener quand on peut entendre ce genre de choses. Oh oui, frère, nous connaissons, prêtez attention. Regardez bien. Ce qui est frappant, c'est que c'est là que nous voyons l'importance et la grâce de pouvoir être réellement conduit par l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Pierre l'a dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître l'avènement et la puissance notre Seigneur, mais c'est comme ayant vu sa majesté, n'est-ce pas, de nos yeux, effectivement, ainsi. Quand nous étions là, sur cette montagne, quand nous avons entendu cette voix, il dit, la parole du Seigneur ne nécessite aucune interprétation particulière. Car ça n'a jamais été une volonté d'homme qu'une parole prophétie a été déjà donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur avait dit à Pierre, il dit, sur cette pierre, donc sur cette révélation, n'est-ce pas, je bâtirai mon église, et les séjours de mort ne proviendront point contre elle. Il dit, toi Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, sera aussi délié aussi dans les cieux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ces jours-là étaient un jour particulier, c'était le jour de Pentecôte. Vous vous souvenez? Là, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Oh, yeah, je veux que vous prêtiez vraiment attention, frère. Les frères et les sœurs étaient dans une chambre haute en obéissant à la parole du Seigneur, comme il leur avait dit. Allez donc, attendez, là-bas, Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez reçu effectivement la promesse. Comme Jean a baptisé d'eau, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Yeah. Et ils ont obéi, ils sont allés là-bas, et en attendant, effectivement, ils devaient voir si tout ce que le Seigneur leur avait dit, qu'ils avaient mis cela en ordre, effectivement, et que tout était réellement conforme à ce que, parce que ils attendaient un événement glorieux, parce que, quand votre attention, quand le Seigneur fait la promesse, il doit tenir sa promesse. Mm-hmm. Dieu a une façon particulière de pouvoir travailler. Et ces hommes et ces femmes étaient là assis, évidemment, en obéissant à la voix du Seigneur. Mais les apôtres qui étaient là aussi, ils attendaient. Mais quelque chose a commencé à travailler. Se regardant, se posant la question, est-ce que mon Dieu, je suis dans les conditions pour pouvoir recevoir ce que tu as dit? Est-ce que nous avons réellement tout mis en ordre les choses, effectivement? Avez-vous, frère, quand l'Esprit du Seigneur est là, nous sommes heureux parce que il nous conduit pour que nous puissions voir si les choses sont comme le Seigneur l'a dit ou pas. Quand toi, frère, et toi, ma soeur, tu ne te soucies pas de cela, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème avec toi. Si aujourd'hui tu n'as pas de soucis pour ton âme et que tes soucis à toi, c'est simplement le monde, l'avenir que tu vas avoir, combien d'argent tu auras et combien de maisons tu vas acheter, combien de voitures tu vas engranger, combien de vêtements, de chaussures que tu vas avoir, c'est qu'il y a un sérieux problème avec toi. Si l'amour du monde est en toi, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. Tu périras avec le monde qui va aussi périr. Si toi, tu te suis tellement du monde, évidemment, c'est parce que tu fais partie du monde. Et tu dois arriver à pouvoir réaliser ce qui est important pour toi. Alors, ils étaient là, c'est pour la question. C'est comme cela que Pierre s'est mis effectivement debout. Je pense que c'est lui effectivement qui a dit, ah, il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est que lorsque le Seigneur nous a appelés, nous a instruits, et puis, dans les scènes d'écriture, je vais lire avec vous pour que vous puissiez voir cela, afin que vous puissiez comprendre ces choses. Dans Acte, au chapitre 1, c'est cela, oui. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Acte 1, verset 14, il dit, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont donc répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes. Vous avez entendu cela? C'est quelque chose de tellement important, mon frère. Quand nous nous attendons au Seigneur, on doit être sûr et certain que nous l'attendons selon sa parole. Et que nous nous examinons au vu de sa parole, effectivement, pour voir si chaque chose en nous est placée selon sa propre volonté. Frère, Dieu n'a pas le même sentiment que l'être humain. Nous devons être conscients de cela, mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul le disait, mais j'ai très durement mon corps afin qu'il soit assujetti. Vous entendez cela? Alors regardez bien ici. Alors il dit, or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Vous entendez cela? Et que personne ne l'habite. Vous avez entendu?
Donc il s'est référé à l'écriture que tous pouvaient pour avoir lu, effectivement, sans même prêter attention. Parce que quand l'Esprit du Seigneur est là, nous sommes heureux parce qu'il nous conduit dans la vérité, à nous montrer effectivement que ça, c'est pas ça, ceci est comme cela, et c'est comme cela qu'il faut faire. C'est pour ça, la prédication de la parole de Dieu est une grande bénédiction pour nous tous. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle et qu'il nous parle, glorifions le Seigneur. Alors il dit, mais, et que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Donc cette écriture-là, mon frère et ma sœur, devait s'accomplir. Et il devait arriver à pouvoir mettre la chose en ordre avant que ce que Dieu avait promis pour eux ne puisse s'accomplir pour eux. Parce que Dieu est un Dieu qui tient à sa parole. Et il veille effectivement. Il va pas le faire à ta manière à toi. Il le fera à sa manière. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé, du milieu de nous tous, il y en est un qui nous soit associé, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent donc deux, Joseph appelé Barnabas, ainsi, comme vous le savez. Donc, il fallait effectivement que cette écriture puisse s'accomplir, qu'il y ait en fait, parce qu'il dit, mais qu'un autre devait donc prendre donc sa charge, parce que Dieu allait faire une action, mais il fallait que ce qu'il avait dit puisse réellement être réellement positionné, que les choses soient vraiment à leur juste place, pour que la promesse qui devait s'accomplisse vraiment en plénitude pour ceux-là qui avaient eu à pouvoir mettre la parole de Dieu en place. Il fallait qu'ils choisissent un aussi. Donc, comme nous le disons, alors c'est Pierre qui a eu à pouvoir parler effectivement et montrant effectivement ce qu'il en est pour faire, et la chose a été faite. C'est ainsi que dans le chapitre 2, nous lisons, et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient donc assis. Et là, l'Écriture continue effectivement, nous montrant ce qui s'était passé. Les langues comme des langues de feu descendirent effectivement, et ces hommes et ces femmes furent remplis du Saint-Esprit. Donc, et là, le Saint-Esprit a pénétré jusque dans l'âme. On a pu voir parce que ils étaient là, ne pensant pas aux choses du monde, mais pensant au Seigneur. Ces gens voient ça, Seigneur, est-ce que on a oublié ça? Et quand on se soucie beaucoup de Dieu, alors Dieu se soucie aussi de toi, et il vient aussi maintenant te révéler sa pensée. Ne perdons pas nos temps avec des choses inutiles. Oh, quel vêtement je vais acheter? Quelle chaussure je vais acheter? Oh, quelle robe je vais mettre? Et quelle voiture je vais acheter? Quelle maison je vais acheter? Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir pensé occupé aux choses du Seigneur. C'est vrai. Ces choses que nous avons besoin sont aussi nécessaires. Et Dieu le sait. Mais quand ça devient très préoccupant pour notre pensée, notre esprit, les diables s'en servent aussi pour nous freiner. Alors il va bien te nourrir avec les pensées. Dieu devient petit, le problème devient grand. Non, mon frère, il faut que Dieu devienne grand, le problème petit. Amen. Pour que Dieu devienne grand, le problème petit, il faut que toi tu médites Dieu tous les jours. Amen. Tu t'occupes de Dieu, alors Dieu s'occupe de ton âme, et ton problème aussi est résolu par Dieu lui-même. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Alors là, ayant fait cela, mon frère et ma sœur, le cœur ayant été purifié, là, les âmes bénies. Alors, le Saint-Esprit a trouvé bon plaisir de pouvoir descendre. Dieu a vu que là, ils ont obéi, et même ils ont vérifié que l'Écriture, Seigneur, est-ce que ça, on a fait? Ah! Le Saint-Esprit rappelle que ceci, vous n'avez pas fait. Ils l'ont mis en ordre, effectivement. Alors là, le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu tellement que il a rempli le cœur et l'âme et l'esprit, les subconscients, la pensée, il n'y avait rien d'autre que Dieu lui-même dans l'homme. Alors la personne commence à pouvoir parler, prophétiser. Il dit, mais ils étaient tout le temps, ils prophétisaient effectivement, parlaient en langue, effectivement. C'est donc tellement qu'ils étaient remplis, leur langue consumée, tout était saint, l'éternel. Donc, ils ne se rendaient pas compte, effectivement, mais parce qu'ils parlaient dans leur langue maternelle, mais tellement qu'ils étaient remplis de l'esprit de Dieu, tout le monde l'entendait parler dans leur propre langue maternelle. Vous suivez, non? Vous connaissez, non?
Voilà qu'effectivement, que les gens commencent à dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Effectivement, ces gens sont ivres, effectivement. Non, Pierre s'élève à ce moment-là. À quel moment, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur, que Pierre s'est levé? Eh bien, au moment où le Saint-Esprit a été déversé sur eux. Et que maintenant, ils étaient donc... Regardez très bien, je voudrais que vous puissiez voir bien l'écriture. Hein. Je relis le chapitre 2, verset 2, il dit... Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sous chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous avez entendu cela? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Donc, vous voyez bien, effectivement, que quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, maintenant, il s'est passé qu'ils sont sortis et les gens qui étaient donc à l'extérieur ont entendu le bruit et puis ils sont venus. Et puis, ces gens on regardait effectivement, et ils ont commencé à entendre que ces gens leur parlent, mais dans leur langue. Maintenant, vous connaissez cela, effectivement. C'est comme cela qu'il y a eu l'étonnement à ce moment-là. C'est ainsi que Pierre s'éleva en ces jours-là, les jours de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a été donc déversé sur ceux qui étaient là et qui a rempli ces hommes et ces femmes, effectivement. Et alors, mon frère et ma sœur, voilà que quand les hommes commençaient à se poser des questions, alors que dans les saintes écritures, il y a beaucoup de chapitres et de versets. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y a beaucoup de chapitres et de versets, mais qu'est-ce que nous voyons effectivement quand Pierre s'est mis debout pour s'adresser aux hommes qui étaient là? Chapitre 2, l'Apocalypse, effectivement, nous lisons à partir du verset 15. Verset 14, pardon. Acte 2, 14, il dit. Alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous suivez? Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Vous suivez cela? Ça nous rappelle quelque chose, non? Comme Joël, prêtez l'oreille, n'est-ce pas vrai? Il dit, prêtez donc l'oreille à mon frère et ma sœur. Je voudrais que vous puissiez être attentifs. J'avais dit à mon frère Christian et à mon bien-aimé frère Zachée et aussi à mon frère Jonas que tous les frères et sœurs qui ont été d'abord là-bas à Dinan, gloire soit rendue au Seigneur, ils ont eu à pouvoir se reposer et ils sont partis aussi où c'est à Lille. J'ai dit que tous ces frères et sœurs, que personne ne dorme pendant la réunion à l'Assemblée. Et j'avais aussi insisté que personne ne fasse de va-et-vient dehors pour aller dormir dans la salle de maman, dans la salle de soeur là-bas. Alors, vous avez fait ce qu'il fallait faire, comme, et c'est bien, mais quand vous venez à la maison du Seigneur, soyez éveillés. Alors, soyez respectueux, sortir, revenir, à moins que ce soit un besoin pressant, mais pas sortir pour aller prendre l'air parce que je dors là-bas. Non, vous deviez dormir la nuit et être éveillé ici. J'avais insisté, j'avais annoncé ça avant d'avance. Donc, c'est important. Alors, nous relisons, effectivement. Alors, il dit, alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix, alors parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Frères et sœurs, c'était des centaines d'années plus tard, Joël l'avait parlé. Voilà que les jours de Pentecôte, où le Saint-Esprit, parce que le Seigneur avait dit, je vous restaurerai ce que les sauterelles, les asiles, les grands, vous connaissez, non? Ce qu'on dévorait, cela, je vous restaurerai. Mais on doit bien comprendre les choses de Dieu, monsieur. C'est pour ça, on ne doit pas jouer. Oh, nous avons lu l'arbre de l'épouse. S'il vous plaît, prêtez attention. C'est absolument important, mon frère et ma sœur. Comme nous l'avons entendu avec vous, effectivement. Alors là, Pierre s'élève le jour de Pentecôte.
C'est ce jour-là que cet homme se lève, il ne prend pas une autre écriture, mais il se réfère en disant, mais c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Regardez très bien, c'est ici, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Or, vous et moi, nous avons lu Joël, n'est-ce pas vrai? Amen. Mais regardez comment cet homme rempli du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le croyant. Amen. Amen. L'homme rempli du Saint-Esprit dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que si nous retournons avec vous dans Joël au chapitre 2, regardez bien, regardez cela, Joël au chapitre 2. C'est cela, oui. Ok, c'est cela, oui. Voilà, Joël chapitre 2. Nous lisons avec vous le verset 28. Je peux lire avec vous verset 27. Vous suivez? Il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis, nous tombons directement à verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais quand Pierre nous prend ça, alléluia, quand Pierre nous prend ça, regardez ce que Pierre a eu à pouvoir dire. Ici, il dit, ceci, mais c'est ici ce qui a été dit, chapitre 2 des Actes, verset 7. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 17, il dit, mais dans les derniers jours, dit Dieu. Dans Joël, on n'avait pas entendu les derniers jours. Non, là, il dit, il ajoute. Il dit, dans les derniers jours. Donc, la parole qui avait été annoncée, c'était pour les derniers jours. Alléluia. Mon frère et ma soeur, l'homme naturel ne peut pas le voir. Mais quand l'homme est rempli du Saint-Esprit, alors la chose qui était cachée loin, Dieu le fait sortir pour que tu vois effectivement à quoi cela correspondait. Parce que ceci n'est pas comme un livre roman. Ceci est la parole de vie. La parole de Dieu, monsieur. Ceci est spirituel. Dieu peut annoncer quelque chose dans les temps anciens là-bas pour le temps à venir. Mais il faut que le Saint-Esprit place la chose en prenant là. Dit, mais voici, c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans Pierre. Il dit, Dieu a dit dans les derniers jours. Alléluia. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Parce que c'était les jours effectivement où le Saint-Esprit est tombé. Alors là, c'était effectivement la naissance. On peut voir effectivement que c'est là qu'a commencé l'épouse. Là qu'a commencé, où le Seigneur dit, mais je bâtirai mon église. Cette église a été manifestée ces jours-là. Alléluia. C'est dans ces jours-là, mon frère, que Pierre se réfère à Joël. Alors, pourquoi, monsieur? Alléluia. Pourquoi, que Dieu soit béni. Pourquoi ces jours-là? Parce que nous savons que dans Joël, Dieu a parlé aussi de la sauterelle Gaza, Mazir, qui ont dévoré, monsieur. Et maintenant, nous comprenons qu'il dit, mais ils étaient pour dans les derniers jours, dit Dieu. Oh oui, monsieur. Madame, mesdemoiselles, messieurs, nous n'aurons pas le temps, nous avons les baptêmes aujourd'hui. Regardez une chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, ouvrez simplement le cœur, dis pas, nous connaissons parce qu'on ne connaît rien. On veut être enseigné. Quand vous ne voulez pas écouter, vous n'avancerez jamais, frère. On veut être enseigné. C'est un renouvellement. Frère, j'ai été touché. Vous avez vu comme le Seigneur a fait avec le frère Pascal Devono? Oui. Amen. Dieu ne fait jamais rien à moitié. Non. Ce matin, il vient dans mon bureau parce qu'il dit, j'ai dit, je voulais te voir. Il dit, ce matin, j'ai dit, bon, je lui ai envoyé, mais en fait, frère, mais le frère est là, il veut te voir. Je dis, pas de problème, frère. Il dit, frère, tu vois, j'étais venu. Quand j'étais parlé, puis, ah, tu as dit quelque chose, tu savais même pas. Pendant que nous parlions, effectivement, tu m'as regardé, tu m'as dit, mes frères, voilà, parce que bon, il y aura beaucoup de frères qui viendront pour le baptême dimanche. Et puis tu as enchaîné en parlant, effectivement, de ce qu'il en était. Il dit, tu ne savais pas que
Quand Dieu a commencé à travailler en moi, Dieu m'avait montré que je devais être quelque part où je voyais les gens qui étaient dans l'eau de la piscine. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est là à voir, effectivement? Il dit, mais après, quand je priais, j'ai compris que le Seigneur veut que je me fasse rebaptiser. Mon frère. Et il dit, même si j'allais passer, mais maintenant, je dois obéir à chaque parole du Seigneur. Il dit, mais puisque ce matin, il y a le baptême, qu'est-ce qui empêcherait que je ne sois baptisé? J'ai dit, c'est ça le travail du Seigneur. Il dit, je veux obéir. Et il s'est ajouté à ceux qui doivent être baptisés. Mon frère et ma soeur, donc, comme nous le disions dans les Saintes Écritures, nous voyons que le Seigneur, en parlant effectivement dans Joël, et comment l'apôtre Pierre, effectivement, a eu à pouvoir réellement se référer ensemble. Et on s'est posé la question de pouvoir savoir. Et pourquoi s'est-il référé à cela? Et en quoi, effectivement, nous pouvons arriver à pouvoir être... Regardez très bien, frères et sœurs. Nous avons remarqué que dans le chapitre 1, suivi des chapitres de toujours, parlant des Gazam, Soterel, Yélek et puis Azil. N'est-ce pas vrai? Puis le Seigneur vient et nous dit que je vous remplacerai, donc je vous restaurerai. C'est qu'à dévorer ainsi de suite. Et puis, on voit plus loin, effectivement, dire, après cela, je répandrai ainsi de suite. Et puis, on voit Pierre qui vient. Qui ajoute que Dieu a dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu. J'aime Dieu. Amen. Je répandrai mon esprit. Et c'est vrai. Et puis, mais c'est ce que vous voyez, que vous entendez. Donc, là, on pouvait voir, effectivement, que, oh, l'épouse était en action. Amen. Et puis, regardez très bien, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Pour qu'on voit réellement ça. Et c'est important que vous prêtiez attention. Pierre a commencé à prêcher, ramenant chaque chose à sa place et plaçant celui qui doit être placé à sa place. Parce que mon frère et ma sœur, même s'il y a restauration de la parole de Dieu, s'il n'y a pas de germes de vie dans cette parole, la parole ne sert de rien. Alléluia! Il faut ces germes de vie. Il faut celui qui donne la vie à la parole. Alléluia! Il nous faut celui-là, monsieur. Parce que nos pères ont mangé la manne. Ils sont tous morts. Il faut celui qui donne la vie à la manne. Alléluia! Il a dit, celui qui mange de ses pains vivra éternellement. Gloire au Seigneur. Oh, nous voulons ce Jésus-là, monsieur. Il donne la vie, mon frère, qui change la nature d'un homme. Quand ils ont entendu la parole, mais David, comme il était prophète. Alléluia. Parce qu'il avait dit que tu ne permettras pas que ton cerveau voit la corruption. Il dit, frère, homme, frère, sachez que jusqu'aujourd'hui, le tombeau David existe. Mais Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Et comme il était prophète, c'est de Jésus qu'il a parlé. Que tu ne rappelles la corruption. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et comme vous le voyez aujourd'hui, parce que ce n'est pas une histoire, non, vous nous voyez. Vous avez les témoignages que le Saint-Esprit est là, vous le voyez. Il a répandu son esprit sur nous. La première fête, il nous a dit, allez, attendez. Nous le vivons aujourd'hui. Il dit, c'est Jésus est vrai. C'est Jésus est la vie même. Alors la Bible dit, mais quand ils entendaient la parole que Pierre prêchait, un homme convaincu, un homme qui est certain de son Jésus à lui. Alléluia! L'homme qui veut dire que je n'ai ni or ni argent. Alléluia! Ces choses ne préoccupent pas mon esprit à moi, mais ce que j'ai, je te les donne aussi. Alléluia! Il connaissait son Jésus, monsieur. Ce n'était pas le Jésus des églises, monsieur, mais le Jésus de la Bible, mon roi. Alléluia! Qui donne la vie, monsieur, qui donne... Oui, frère, oh, que Dieu soit béni. L'homme dit, mais c'est ce que vous voyez. Et nous en sommes témoins, ce que vous entendez. La Bible dit que l'auditoire était le cœur brûlant et touchant au plus profond. Et puis tout d'un coup, tellement avec l'élan de cœur, il dit, oh, homme, frère, que ferons-nous? Alléluia. Oh oui. L'homme dit, mais j'ai pu entendre, j'ai pu voir. Il dit, mais
Oh, la parole que nous avons entendue, Pierre, ce que tu as déclaré, a touché nos cœurs. Et nous avons pu voir, mais nous lisions cette écriture depuis longtemps, mais on n'a pas vu comme ça. Il dit, mais toi, Pierre, tu nous l'as montré que c'est ça ce que Dieu avait dit. Et nous le voyons. Et nous croyons. Ah, c'est. Et puis le cœur brûle tellement dedans. Que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Alléluia. Oh, il dit, mais vous m'interrogez aujourd'hui pour savoir comment cet homme a été guéri. Et par le nom de qui? Oh, Jésus est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale des langues. Alléluia. Il n'y a sous le ciel, aucun autre nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Par lesquels toi et moi, on va être sauvés. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un nom qui peut sauver quelqu'un, si ce n'est le nom de Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. L'homme a eu le cœur vraiment brûlant d'amour. Il a vu que c'est Jésus était la personne qu'il lui fallait, monsieur. Oh, gloire à mon Seigneur. Nous l'aimons, mon frère. C'est de lui que toi, ma soeur, tu dois parler. C'est lui que toi, mon frère, t'occupes pas de parler de biscuits, c'est pas moi des... Non. Tu as un homme. Oh oui. Tu as un homme. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, que c'est merveilleux. Comme je voudrais t'enchanter. C'est tellement merveilleux. Oh. Nous sommes heureux d'avoir ce Jésus. Le Jésus de la Bible, monsieur. Pas un autre, non. Celui de la Bible, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Les cantines de Dieu puissant, c'est Jésus. Nous l'aimons, mon frère. Nous le portons notre cœur. Oui, frère. Oui, ma soeur. C'est ce Jésus que Pierre a prêché. C'est ce Jésus que l'apôtre a prêché. C'est ce Jésus que les âmes, le jour de Pentecôte, ont aimé, monsieur. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu manifestée. Jésus est la révélation de Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, ces hommes ont pu le voir en action, monsieur. Ils ont pu le voir dans des hommes comme eux. Il dit, mais si Jésus peut faire ça en lui. Il dit, je le veux aussi. Mais tu veux quoi? Un prophète? Non. Je veux seulement ce Jésus-là. C'est lui qui est en toi. Oh, Pierre, qu'est-ce que nous ferons? Nous voulons ce Jésus-là. C'est lui qui est en toi, Pierre, qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Oh, mon frère et ma soeur, ces hommes ont pu voir comme Paul le dit aux Galatiens, il dit, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Sans interprétation. Mais vous êtes ramené dans la réalité. Vous l'avez vu. Oui, monsieur. Oui, madame. Les hommes ont dit, nous ne voulons pas autre chose. S'il faut être baptisé en son nom, je le veux. Ce que je veux, c'est qu'il soit en moi. Et puis, ils ont dit, la Bible dit bien, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ce qui est merveilleux, mon frère et ma soeur, regardez cela, s'il vous plaît, frère. C'est de voir, mon frère et ma soeur, que quand la parole a pénétré le cœur de ces hommes, oh, ils avaient beaucoup de biens, ils avaient beaucoup de biens, ils étaient propriétaires de beaucoup de choses, frère. J'aime toujours cela, vous le savez, mon frère et ma soeur. Pierre n'a jamais dit, retournez, allez chez vous, ramenez-moi de l'argent, vendez vos biens. Non, la puissance et l'amour de la parole qui est rentrée dans ces hommes, puissance de la parole vivante de Dieu, a transformé ces hommes et ces femmes. Ils n'étaient plus pareils, monsieur. Ils sont rentrés à la maison tout à fait de nouvelles créations. La vie était fraîche et la puissance de Dieu s'est manifestée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé son frère et dit, mais mon Dieu d'amour, Christian est mon frère. Amen. Je ne savais pas qu'il en était un. Mais Christian est mon frère. Ses chaussures-là sont trouées en dessous. Et moi, j'en ai 10 paires à la maison. Alors, il dit, non, j'amènerai 3 paires pour Christian. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais Jonas, c'est mon frère. Il a une chemise qui est trouvée quelque part là.
Je n'ai 20 à la maison. Oh, les 10 est à Jonas. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'était, mon frère? L'amour divin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a l'église et les 40 ans, ils ont dévoré l'amour divin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Satan est entré dans l'église, il a dévoré. Regardez, frère, il s'est fait en quatre phases. La sauterelle, les gazames, la sauterelle, les l'église. Regardez l'antichrist, frère et soeur, dans Apocalypse chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les sceaux se sont ouverts, qu'est-ce qu'on a vu? Un cheval blanc. Mon frère, ma soeur, celui qui les montait n'avait pas d'arc, il n'avait pas de flèche. Ce cheval a commencé à changer de couleur. Ce cheval s'est changé en combien de couleurs? 4 fois. Et qu'est-ce qu'on a? 4 êtres vivants. Alléluia. Gloire au Seigneur, mon frère. Gloire au Seigneur. Il n'a pas changé. Oh, il demeure le Dieu vivant. Il est toujours le même. Il est toujours le Dieu vivant, mon frère. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Dieu est en train d'agir. Le réveil dans le cœur du croyant. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Il faut que nos yeux s'ouvrent, frère. Et que nous voyons ce que Dieu fait aujourd'hui, mon frère. Alléluia. Alléluia. La restauration, frère, ce n'est pas une histoire. Dieu est en action. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Lève-nous, mon frère. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia! Quel est cet homme de Jésus? Alléluia! Alléluia! Quel est cet homme de Jésus? Alléluia! Quel est cet homme de Jésus? Alléluia! 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 D'être adoré, mon sauveur. Nous voulons te dire encore merci pour ta grande bonté, mon bien-aimé Père Saint, pour ton amour et tes compassions. Alléluia! Tu es digne d'être adoré. Tu es vraiment vivant, mon sauveur. Ta parole est la vérité, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu ouvres encore aujourd'hui, Père. Tu témoignes encore de ta parole. Oh, sois adoré. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié. Gloire à mon Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Au-dessus de roi. Au-dessus de trône. Sois glorifié, mon Jésus et mon Seigneur et mon roi. Mon maître béni, Père. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, mon sauveur béni. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, mon sauveur. Oh, ce jour est un jour de grâce, mon bien-aimé Père Dieu. Quel bonheur, quelle grâce, mon bien-aimé Père Saint, de t'avoir. De te voir encore à l'œuvre, encore aujourd'hui, Père. Accomplissant de merveilles, mon bien-aimé Père Dieu. Tu agis et tu guéris, tu transformes, roi. Nos cœurs et nos âmes s'accrochent encore à toi. La crainte t'est dit, Père. L'honneur t'est dit encore aujourd'hui, Père. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Ils sont en connexion partout, ils sont, Père. Oh, nous implorons ta grâce, mon roi. Ils soient aussi bénis, Père. Louange et honneur à toi. La parole du vrai, Seigneur. Merci pour ton âge, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Je t'en suis reconnaissant, mon roi. Pour ta grâce, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour ta révélation, mon bien-aimé Seigneur. Pour ta lumière, mon bien-aimé, oh Dieu. Merci pour ton âge, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci pour ta présence glorieuse, mon roi. Tu
conduis, tu éclaires encore nos pas. Je te loue de tout mon cœur, je t'exalte. Oui, maître béni, mon âme t'appartient, mon sauveur. Oh, nous te remercions. Oh Dieu, louange et honneur à toi, béni soit ton Saint-Nom. Je te loue, je te loue, je t'exalte. Béni sois-tu, merci. Oh, sois béni, je te remercie. Tu nous éclaires encore. Alléluia, je te loue. Merci, merci Seigneur. Oh, Jésus, oh Sauveur, oh Sauveur, oh Père de Père, merci Père, gloire à toi Père, merci Père, gloire à toi, merci Père, merci Sauveur, oh Jésus, gloire à toi, alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Bénisse, Père. Soutiens. Parle-nous encore. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci, ça va. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Merci. Oh, Dieu du ciel. Merci. Garde ton peuple. Soutiens. Je te suis. Mon cœur. Oui, merci. Oh, gloire à toi. Merci, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Oui, Père. Bon sang. Gloire à toi. Merci. 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 Oui, Père. Gloire à toi. Honneur à toi, Père. Merci. Merci. Oui, Père. Madame, tu es mon Dieu. Louange à toi. Honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. Merci. Merci. Gloire à toi, mon maître béni, tu es Dieu. Merci, Père. Gloire à toi. Merci Père, merci Père. Gloire à toi. Merci Père. Gloire à toi. Merci Père. Oh Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y en aura jamais, mon maître béni. Ce peuple t'appartient, mon roi. Nous te remercions pour ta puissance, mon bénévole Père. Alléluia. Gloire à toi, mon bénévole Père. Oh, toi qui réveilles, mon bénévole Père, oh Dieu. Toi qui délivres, mon roi. Donne encore la victoire et la vie, mon bénévole Père. Gloire au
Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Toi qui guéris les malades, mon bien-aimé Père Saint, toi qui laisses les morts aussi recevoir, qui baptise du feu du Saint-Esprit aussi. Louange et honneur à toi, tu rétablis mon bien-aimé Père Saint. Oui, Père. Alléluia. Merci, ça va, merci Père. Oh, merveilleux. J'étais lourd de tout mon cœur. Merci. Alléluia. Gloire, honneur à toi. J'étais lourd de tout mon cœur, mon bien-aimé Père Dieu. Pour ta bonté, pour ta grâce et ta miséricorde. Combien tu es tellement si précieux. Tu es tellement si glorieux, mon roi. Si merveilleux, Père. Oh, tu nous redonnes. Oh, Dieu. Seigneur, ils ont pensé qu'ils avaient tout détruit, mon bien-aimé Père tout puissant. Mais tu es le Dieu qui a fait la promesse, mon bien-aimé Père. Nous te sommes reconnaissants, mon roi, pour ce temps merveilleux dans lequel nous vivons, Père. Pour ta parole glorieuse, mon bien-aimé Père tout puissant. La parole des filles, mon bien-aimé Seigneur. Louange et honneur à toi pour la lumière au temps du soir, mon bien-aimé Père. Je te loue et je t'exalterai, Père. Dieu du ciel, tu as agi, Père. Dieu du ciel, tu as confirmé ta parole. Tu as témoigné que tu étais le Dieu du vivant. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Ta parole est la puissance, mon roi. Jusqu'aujourd'hui, elle agit, Père. Merci pour la lumière du temps du soir. C'est toi, notre lumière, mon roi. Oh, la parole restaurée, bénévole Père du Vissant. Loué soit l'Éternel, notre Dieu. Loué soit Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Oh, libère les pâtissiers. Et agis, Père. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié, mon roi. Tu es digne d'être élevé, mon bien-aimé Père Saint. Louange et honneur à toi. Tu es le seul. Tu es le seul qui doit être honoré, être glorifié, être élevé, Seigneur. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Béni soit ton nom, mon bien-aimé. Exalté sois-tu encore aujourd'hui. Père. Merci. Pardonne-moi. Oui, Père. Oui. Merci. Gloire à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour ton émiette. Oui. Merci. Alléluia. Merci, merci. Gloire à toi. Oui, Père. Merci. Merci. Merci, ça va. Gloire à toi, gloire à toi. Merci. Oui, Père. Merci. 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 Alléluia. Gloire à toi. Merci. Merci. Gloire à toi. Oh Dieu. Merci, Sauveur. Oh Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté. Alléluia. Gloire à toi. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Aide-nous ce que tu veux. Merci. Merci. Pardonne-moi, Père. Oh oui, gloire à toi. Honneur à toi, Maître béni. Ami, nous sommes à toi, Père. Merci. Ah, nous sommes à toi, mon Seigneur. Oui, Père. Alléluia. Merci, Père.
Merci, Père. Merci. Sois exalté. Tu es bon. Oh, nos pensées occupées par toi, ton âme. Oui, Père. C'est cela que nous voulons aujourd'hui encore. Oui, Père. Souviens-toi de ta servante. Gloire à toi. Tu es le Dieu qui guérit, Père. Le Dieu qui délivre, mon bénévole Père Saint. Gloire à toi. Béni soit ton Seigneur. Oui, Père. Oh oui, mon Seigneur. Merci, Père. Alléluia, merci Père. Merci Sauveur. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi Père. Oui Père. Avec ses cris de commandement, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que soit béni. Merci encore. Merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci Père. Louange et honneur à toi, Père. Tu es dit d'être adoré. L'âme t'appartient, mon Sauveur. Le cœur scellé par le désir d'avoir Christ en nous. Oui, Père. Et que chose ne peut pas. Toi seul. Remplis le cœur de l'homme. Remplis le cœur de l'homme. Merci, Sauva. Gloire à toi. Honneur à toi. Tu es digne d'être adoré. Oh Jésus. Oh Sauva. Merci encore. Merci. Parce que c'est le canal pour lequel l'on te dit que tu communiques avec ton peuple à toi. Merci. Je te loue, je t'exalte éternellement. Pour être ton père payé parmi ton père. Béni sois-tu. Oh Dieu, quel privilège. Nous sommes heureux. Que tu places encore dans cette idée. La voix est bonne. Oh, c'est ton parmi nous. Béni fortifié. Oh, sois exalté. Oh, alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante, glorieuse, mon roi, qui agissante encore aujourd'hui, Père, pour guérir, pour délivrer, pour sauver, mon béni, mon Père Dieu, pour libérer, mon Père Dieu, de toute passion, Père. Tu as encore la grâce, mon Père. Glorieuse, honneur à toi. Merci. Oh, Dieu. Oh, parce que les choses sont heureuses. Merci. Oui, Père. Merci. Merci pour Dieu. Gloire à toi. Merci. Oui, Père. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Père. Oui, Père. Merci mon roi. Merci Père. Je rends gloire à ton nom pour ce que tu fais. Merci Père. Merci Père. Que ton nom soit béni. Amen.
Parce que ciel, nous soupirons réellement. Parce que nous voulons réellement. Oh, et parce que nous sommes bénis. Sois béni. Et nous soyons certains de notre Dieu. Merci, Père. Merci Père, de ta ressemblance, plus de toi, je discerne en état de ta volonté. Alléluia. Gloire à toi. Oh, et un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Gloire à toi. Honneur à toi, mon maître béni. Du haut de ton trône de grâce, nous sommes. Tu nous regardes, Père, et nous te remercions, mon béni. Louange et honneur à toi. Tu règnes, nous sommes béni. Tu domines sur toutes choses, mon maître béni, Père. Et rien ne fasse obstacle à ce que tu veux faire, Père. Rien, mon bien-aimé Père. Gloire à toi. Merci, Père. Merci, Seigneur. Gloire et aux âmes, Alléluia, Père. Merci, Père. Te croyons, mon Sauveur. Merci. Est un Dieu puissant de son Seigneur avec sagesse à mourir. Est un Dieu puissant. Dieu vivant, Seigneur Jésus, tu n'as jamais changé, notre Père. Tu as dit que mon peuple ne sera plus jamais, jamais dans la confusion. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée d'être encore dans ta maison aujourd'hui. C'est un jour particulier, mon Sauveur, parce que tu veux nous révéler, et tu l'as fait, Seigneur. Tu nous as révélé réellement le secret de ton cœur, Seigneur. Alors que Satan change de tactique, mon Sauveur, toi aussi, notre Dieu, à chaque fois, tu nous réveilles, mon Sauveur, afin que nous puissions voir comment est-ce que nous devons combattre, comment est-ce que nous devons nous tenir, comment est-ce que nous devons nous comporter. Seigneur, tu nous as donné les quatre êtres vivants, mon Sauveur. Ce n'est pas, Seigneur, pour faire beau et faire joli, mais c'est réellement l'évangile du royaume, ce qui s'accomplit en ce temps de la fin. Alors que Satan a changé ses tactiques, mon Sauveur, tu veux que nous aussi nous puissions changer de face. Seigneur, accorde-nous la grâce, mon Dieu, de pouvoir réellement, ô Père, combattre le bon combat de la foi. Seigneur, élève-nous, Seigneur, en ce jour-là, en ces derniers jours, mon Sauveur, comme des aigles, mon Sauveur. Nous voulons nous élever au-dessus de toute
toutes les tactiques de l'ennemi, mon sauveur, pour ne pas être sali, pour ne pas être attiré vers l'arrière, pour ne pas être découragé, Seigneur. Mais nous voulons réellement être fortifiés dans la foi, mon sauveur. Élève, Seigneur, ceux qui sont à toi. Fortifie ton peuple, mon sauveur. Oh, bénis ceux qui sont à toi. Remplis, délivre et sauve encore aujourd'hui, Seigneur. Change les cœurs, change les vies. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous réellement, Seigneur, des stratégies spirituelles pour pouvoir réellement combattre, mon sauveur, comme tu le veux, notre Dieu. Béni sois-tu, mon Père, pour ton serviteur que tu as utilisé encore ce jour. Seigneur, merci parce que tu avais mis cela en son cœur, mon sauveur. Et il veut réellement, Seigneur, mon Dieu, que ton peuple reçoive, Seigneur, ce que tu lui as donné, Seigneur. Ainsi, ceux qui sont à toi, Seigneur, ont reçu réellement cet évangile du royaume, cette parole de vie, Seigneur. Tu es en train de restaurer, Seigneur, là où l'amour a été dévoré, Seigneur. Tu restaures l'amour, Seigneur. Les critiques ne sont plus, Seigneur. Oh, Père, les calomnies ne sont plus, Seigneur. Oh, notre Dieu, les médisances ne sont plus, Seigneur. Il n'y a que l'amour parfait qui rentrera, mon sauveur. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui sont à toi. Bénis, mon sauveur. Délivre de vivants. Sauve et ramène encore, Seigneur. Tu es un peuple, Seigneur, en aussi grand nombre que tu les as connus. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, Seigneur. Toi, tu les connais tous par leur nom. Seigneur, agis. Seigneur, transforme. Seigneur, délivre, oh Père. Fortifie, Seigneur. Que rien ne puisse nous décourager de pouvoir te servir, notre Dieu. Que rien ne puisse nous empêcher de te louer, de t'adorer. Même dans la difficulté, même dans la souffrance. France, nous chanterons les cantiques de Sion parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu qui combat pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Tu as réellement appelé chacun de nous là où nous étions, Seigneur. Nous aurions pu être absents, Seigneur, mais tu as voulu que nous soyons présents, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé réellement. Laisse que ceux qui sont à toi reçoivent cette sémence éternelle. C'est la sémence de vie, Seigneur, qui donne réellement la vie, Seigneur, le germe de vie en chacun de nous, Seigneur, produisant la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, notre Père, pour la manière dont tu as utilisé ton serviteur. Où est-le encore davantage, mon Père, que ce qui est sorti, que tu puisses réellement redonner, notre Dieu. Oh, Satan n'a plus aucun pouvoir, Seigneur. C'est que le Gaza m'a dévoré. C'est que la sauterelle a dévoré. C'est que le Asie l'a dévoré. C'est que, Seigneur, mon Dieu, Yélek a dévoré. Toi, notre Dieu, tu restaures. Toi, notre Dieu, tu redonnes. Tu as dit, tu donnes, Seigneur. Donne à ton peuple, mon Sauveur. Donne à mon frère. Donne à ma soeur, Seigneur. L'amour divin, Seigneur. Donne à mon frère, Seigneur. La vie de Jésus, Seigneur. Oh, que nous puissions réellement être des hommes et des femmes vaillants pour l'œuvre que tu nous as confiée. Seigneur, c'est ce pourquoi nous sommes en ce lieu, notre Seigneur. Oh, merci, notre Père, parce que Satan voulait nous distraire, mais tu es venu nous donner réellement la lumière, Seigneur. Tu es la lumière qui brille au sein même de nos ténèbres, mon Sauveur. Tu es réellement la lumière du monde. Celui qui vient à toi ne sera plus jamais dans les ténèbres, mon Sauveur. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu nous as manifesté encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous as consolé, Seigneur. Merci parce que tu nous as encouragé, notre Dieu. Merci parce que tu nous as fortifié, Seigneur. Nous sommes venus avec des têtes baissées, mon Sauveur, avec des dos courbés, mon Sauveur, avec des genoux chancelants. Mais tu es celui qui nous a fortifié, Seigneur. Oh, nous voulons réellement fixer nos regards vers toi. Seigneur, les hommes nous déçoivent, mon Sauveur, mais toi, tu nous décevras jamais, Seigneur. Chaque fois tu viens, notre Père, tu viens nous parler, notre Dieu. Tu es réellement un Père pour nous, Seigneur. Tu viens nous fortifier, tu viens nous éclairer, tu viens nous encourager, Seigneur. Oh, ta parole, Seigneur, mon Dieu, c'est celle qui nous fortifie, notre Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a reçu ta parole d'un bon cœur ce matin. Seigneur, que nous puissions être fortifiés. Oh, notre Dieu, comme les disciples, Seigneur, nous voulons persévérer, notre Seigneur, afin que lorsque tu viendras, tu puisses nous trouver prêts, Seigneur. Un jour dans tes parvis, mon mieux vaut mille ailleurs, mon Sauveur. Merci, notre Seigneur, pour ta visitation de ce jour. À toi seul soit la gloire, à toi la puissance et la majesté, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'aimons, notre Père, parce que tu es celui qui nous a aimés le premier, Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos iniquités, malgré nos fautes, Seigneur, toi, notre Père, tu es celui qui nous appelle. Tu attires à toi tous ceux qui sont à toi, mon Sauveur. Et tu pardonnes, Seigneur. Tu laves et tu purifies, Seigneur. Et tu donnes un cœur nouveau, Seigneur. Un esprit nouveau, notre Dieu. Tu baptises le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Seigneur, sauve.
Seigneur, change. Seigneur, transforme. Oh Père, combien tu es merveilleux dans ta manière de faire les choses, notre Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Tu as voulu réellement attirer notre attention, Seigneur, parce que tu avais quelque chose de merveilleux à nous donner. Seigneur, tu avais quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, à nous révéler encore aujourd'hui. Tu avais quelque chose de particulier à nous faire part, mon Sauveur. Et ainsi, heureux sont ceux-là qui ont reçu, Seigneur, ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous voulons sortir de ce lieu, Seigneur, avec des cœurs apaisés, Seigneur. Nous voulons sortir de cet endroit avec des cœurs fortifiés, Seigneur. Nous voulons sortir de cet endroit avec l'assurance que ce n'est pas un homme qui nous conduit, mais que c'est le Dieu Tout-Puissant qui conduit son peuple, mon Sauveur. Tel l'exemple d'Israël qui a marché pendant 40 ans dans le désert, nous aussi, Seigneur, c'est toi qui nous conduis, notre Dieu. Et lorsque tu vois que ton peuple, Seigneur mon Dieu, se perd sur le chemin, tu reviens, notre Dieu. Oh Père, tu nous ramènes sur le chemin. Seigneur, ouvre nos cœurs. Seigneur, attendris nos cœurs, mon Sauveur. Que même le cœur le plus insensible, Seigneur, soit touché par ta parole, notre Dieu. Oh mon Sauveur, accorde la grâce. C'est encore un jour de grâce aujourd'hui, Père. Nous t'en supplions, notre Dieu. Nous te le demandons, Père. Accorde-nous réellement ta grâce. Que nous puissions nous répandre devant toi. Seigneur, que ta vie soit réellement manifestée dans chacun de nous, Seigneur. Parce que la nature même attend et soupire après la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, tu as dit que tu répandras ton esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Voici le temps que tu restaures, mon Sauveur. Voici, Seigneur mon Dieu, le temps que tu redonnes à chacun. Tu restaures les dons dans les cœurs, Seigneur. Tu restaures les dons dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin que nous puissions réellement manifester la vie de Jésus, notre Dieu. C'est ce que nous voulons, notre Seigneur, parce que le temps du rassemblement, Seigneur, est à sonner, Seigneur, où tu rassembles vraiment ceux qui sont à toi, autour de ta parole, mon Sauveur, en Christ Jésus, notre Sauveur. Fais-le uniquement pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Nous te le demandons avec foi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Je voudrais vous remercier pour vos prières, car le jeudi, je n'allais pas bien après le culte. J'ai fait une crise d'estomac à deux reprises. J'avais peur de devoir aller aux urgences. Je tremblais et je transpirais. Après le culte, je me suis rendu dans le bureau de notre pasteur et il a prié pour moi. Tout s'est arrêté au moment où il a dit « Amen ». Quand je suis sorti de son bureau, mon estomac me faisait encore mal à cause de la crise. Je disais en moi-même, tout va bien. Seigneur, je le crois et je veux le vivre. Quelques minutes après avoir pris la route, mon estomac était complètement apaisé. Je remercie le Seigneur parce que j'ai eu la grâce d'expérimenter la guérison divine ce jeudi. Que le Seigneur vous bénisse, c'est notre sœur Lise. Nous allons remercier le Seigneur pour la guérison qu'il a accordée réellement à notre sœur et aussi pour notre sœur Emma. Prions le Seigneur. Père Céleste et notre Dieu, jamais assez nous cesserons de te louer. Jamais assez nous glorifierons ton nom pour ce que tu fais parmi nous, Seigneur. Notre sœur Lise était malade, mon Sauveur. Nous avons pu le voir, notre Dieu. Et béni sois-tu, Père, parce que tu guéris encore aujourd'hui. Béni sois-tu d'avoir utilisé ton serviteur, notre Père. Ô Père Céleste, merci, parce qu'aujourd'hui, ta fille t'est reconnaissante, mon Sauveur. Elle revient dans ta maison pour te dire merci. Merci pour notre sœur Emma aussi, à qui tu as accordé la guérison, mon Sauveur. Ô Père, pour bien des frères, pour bien des sœurs, à qui tu as accordé aussi la guérison, mon Sauveur. C'est pourquoi nous voulons réellement être reconnaissants. Sois loué, sois glorifié à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je demande la prière des saints pour ma belle-fille, pour ma belle-sœur, pardon, en mauvais état au pays. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Son foie est déjà endommagé avec les œdèmes généralisés. Elle s'appelle Mispa. C'est notre sœur Emma qui nous envoie cette requête. Elle demande si nous pouvons penser à sa belle-sœur
du nom de Mispa, qui a un problème avec son foie, qui est endommagé avec des œdèmes. Nous allons prier pour que le Seigneur accorde sa grâce. Et notre Dieu qui guérit encore aujourd'hui de toute maladie, que le Seigneur lui accorde vraiment sa grâce. Prions pour Mispa. Tendre Père Céleste et notre Dieu, c'est avec foi que nous approchons de toi pour te présenter la belle-sœur de notre sœur Emma. Seigneur, ta fille a rendu témoignage de la guérison que tu lui as accordée, Seigneur. Et elle croit aussi, Seigneur, que si nous prions pour sa belle-sœur, tu es capable de pouvoir vraiment la restaurer. Seigneur, tu n'as pas changé. C'est le Jésus de la Bible que nous prions et que nous confessons en ce lieu éternel. Nous savons que tu guéris encore aujourd'hui, comme tu l'as fait autrefois. Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tiens réellement, Seigneur mon Dieu, Mispa entre tes mains. Seigneur, tu es capable de restaurer le foie, parce que c'est toi qui l'as créé, Seigneur. Souviens-toi d'elle, notre Dieu, que réellement, c'est qui a été endommagé. Toi, tu es capable de restaurer, mon Sauveur. Tu es capable de redonner un nouveau foie. Tu es capable de donner, Seigneur mon Dieu, un nouvel estomac, mon Sauveur. Tu es capable de restaurer chaque partie du corps, mon Sauveur. Oh Seigneur, tout celui qui s'approche de toi, sans douter, notre Dieu, tu es capable de pouvoir le faire, mon Sauveur. Accorde la grâce, mon Dieu, mon Roi, que ce démon, Seigneur mon Dieu, qui a endommagé, Seigneur mon Dieu, ce foie, puisse être chassé au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père et notre Dieu. Prouve réellement que tu es le Dieu puissant, mon Sauveur. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur, car rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de l'impossible, mon Sauveur. Nous implorons ta grâce, notre Dieu. Tu es le Dieu de la Bible, mon Sauveur. Le Créateur de toutes choses, c'est toi. Seigneur, accorde la grâce, mon Père, que cette dame soit réellement touchée et que par-dessus tout, mon Sauveur, qu'elle puisse aussi donner son cœur à toi, parce que tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous, car nous te le demandons avec foi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bonjour frères et sœurs, je demande votre prière pour le voyage que je vais effectuer demain, moi et toute ma famille, pour l'Espagne. Que Dieu vous bénisse, c'est notre frère Isaac Molopoya. Nous allons prier pour notre frère, afin que le Seigneur bénisse son voyage, qu'il bénisse son séjour et aussi son retour, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions pour notre frère Isaac. Tendre Père Céleste et notre Dieu, ton fils, notre frère Isaac, se remet entre tes mains, Seigneur, parce qu'il sait que c'est toi qui bénis le départ ainsi que l'arrivée. Seigneur, souviens-toi de lui, notre Dieu, là où il sera, Seigneur, pendant son départ, son séjour, et je te prie aussi pour son retour, Père, que tu le gardes réellement dans le creux de ta main, qu'il soit toujours un témoignage, Père, pour ce que tu fais encore dans sa vie et parmi nous aujourd'hui. Seigneur, sauve, Seigneur, protège, Seigneur, délivre. Garde-le dans le creux de ta main, Seigneur, qu'il soit réellement gardé et protégé par toi. Et lorsqu'il reviendra, Père, nous ne manquerons pas de te louer, de te glorifier. Seigneur, à cause de lui, que toute sa famille soit bénie, Seigneur. Qu'à cause de lui, Seigneur, toute sa famille soit protégée, parce qu'il t'aime et il te craint. Sois avec lui, Éternel, nous le recommandons à tes mains. Bénis ce voyage, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Je vous demande de prier pour ma tante Béa qui a sa jambe paralysée et gonflée. Elle ne sait pas marcher. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre sœur Mariette. Nous allons prier pour la tante de notre bien-aimée sœur Mariette pour que le Seigneur vraiment accorde la grâce. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, c'est encore avec foi que nous approchons de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde pour l'attente de ta servante, mon Sauveur. Elle croit réellement que si nous prions, toi tu es capable de pouvoir réellement la guérir. Seigneur, tu fais marcher les paralytiques. C'est toi qui relèves, Seigneur mon Dieu, les boiteux. C'est toi qui guéris toutes sortes de maladies, Seigneur. Devant toi, il n'y a rien qui peut rester incurable, mon Sauveur. Tu es le Dieu de tout miracle, mon Sauveur. Tu fais des prodiges encore aujourd'hui, Père. Nous voulons réellement implorer ta grâce, mon Sauveur, pour l'attente de ta servante, notre Dieu. Que là où elle est, notre Sauveur, que réellement ses jambes puissent être dégonflées. Seigneur, qu'elle puisse marcher pour la gloire de ton nom, Seigneur. Délivre-la, mon Sauveur. Que tout démon, Seigneur, de paralysie, tout ce démon qui l'empêche de pouvoir se lever, oh Seigneur,
Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui délivres encore aujourd'hui, toi qui fais encore marcher les paralytiques, mon Sauveur. Oh, accorde la grâce, mon Dieu, mon Roi, que réellement les miracles puissent s'opérer. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris, Seigneur. Sauve-la, mon Sauveur. Délivre-la, mon Père, que rien ne puisse l'empêcher de pouvoir être en bonne santé, Seigneur. Que le témoignage soit rendu, notre Dieu, de ce que tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur. De ce que tu sauves encore aujourd'hui, Père. Que réellement ses jambes soient restaurées. Que son corps entier soit réellement restauré. Que son âme aussi soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Réjouis le cœur de ta servante, mon Père. Nous croyons que tu es le Dieu vivant et éternel. Que toi seul tu mettes la main. Que tu touches réellement son corps. Restaure, Seigneur, chaque partie de son corps, Seigneur. Que rien ne puisse l'empêcher de pouvoir se lever. Que rien ne puisse l'empêcher de pouvoir marcher. Et que le nom de Jésus-Christ, le Jésus de la Bible, celui que nous confessons, puisse réellement être glorifié pour ce que tu auras fait, Père. Merci pour ton amour, oh Dieu vivant. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais demander à ceux qui sont là pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. Nous allons juste vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vais demander à mon frère Rosario de venir récolter les offrandes pendant que ma sœur Mariette, je voudrais chanter un cantique. Viens, ma sœur, et je lirai le mot tout à l'heure. Je voudrais chanter, si possible, pour la gloire du Seigneur, car ce matin, j'avais mal à la tête et le pasteur a imposé les mains. Il a imposé les mains juste à l'endroit où j'avais mal. Et je me sens bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu soit béni, mon frère. Pardonnez-moi, je sais que c'est tard. Souvent, je résiste, mais maintenant, je ne veux plus résister. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour, m'aimant d'un amour insondable. Jésus de la gloire ineffable m'apporte joie intarissable par son pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Mais mon danse, mon tout passe, où tout comme un rêve s'efface. Dans son cœur, Jésus me fait place, dans son amour. Mais manquant loin de ma patrie, en pays païen, je le prie. Sous son aile, il cache ma vie dans son amour. M'aimant dans la gloire suprême de la crèche à la croix, il m'aime. Hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. M'aimant jusqu'à
centre de la nuit, nous chantons l'hymne, la mémure de ton amour, m'aimant dans la gloire suprême de la crèche. La croix, il m'aime, hier, aujourd'hui, toujours le même, dans son amour, m'aimant au jusqu'à ta venue, quand tu descendras de la nous chantons l'hymne, la mémure de ton amour. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Chers frères et sœurs, j'ai un témoignage au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est notre frère Andrew. Mon frère Andrew, viens s'il te plaît. Mon témoignage, c'est un témoignage qui dure depuis 2 ans et demi. En 2014, alors que je me suis rendu au Cameroun, j'avais un gros problème là-bas, un problème d'argent. J'allais voir mon frère pour un problème d'argent. Je suis allé au Cameroun. C'est vrai que mon problème n'a pas été résolu. Mais notre Seigneur a fait quelque chose vraiment de très grand. Parce que Dieu, il fait des choses. Il utilise des manières pour nous visiter. Moi, je portais des lunettes depuis longtemps. Alors, je suis arrivé au Cameroun et je me rendais dans le nord du Cameroun. J'ai emprunté le train. Dans le train, je suis allé aux toilettes et j'avais mes lunettes accrochées ici. Subitement, j'entends donc mes lunettes sont tombées dans le WC. Et directement, c'est aller sur les rails des trains. Et mes lunettes, c'était la troisième paire de lunettes que j'achetais. Ça me coûtait 400 euros chaque fois. Et je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire? Parce que déjà, je ne supportais pas le soleil. Dès que je sortais de la maison comme ça, s'il y a du soleil directement, je me rappelais qu'il fallait mes lunettes. Et quand je restais, j'avais les larmes qui coulaient chaque fois. Mais depuis 2 ans et demi, que je suis revenu ici, c'est vrai que mon problème n'a pas été résolu et j'ai remarqué que je n'ai plus fait recours à mes lunettes et jusqu'à aujourd'hui, je ne porte plus les lunettes. Je vois correctement et chaque fois même ma femme à la maison, elle porte aussi les lunettes et quand il y a un truc, quand elle n'a pas de lunettes, elle ne regarde pas, elle ne voit pas, même si elle regarde la télé, elle ne voit pas. Je lui demande, mais comment tu me dis que tu ne vois pas? Alors que moi, j'avais un problème même plus sérieux que toi. Mais je ne porte plus les lunettes. Et aujourd'hui, je vois vraiment très bien. Donc, je remercie le Seigneur parce que il a utilisé ce problème pour pouvoir me guérir, quoi. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je vais inviter mon frère Vladimir qui... Bonjour, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Viens, mon frère. Bonjour, frères et sœurs. Excusez-moi, je veux chanter en swahili, mais voilà quoi.
mon jour de voir le Seigneur Jésus, il s'approche de plus en plus. Je désire le voir en face, celui qui est ma vie. Allons chez nous, allons, allons, allons chez nous, il y a la joie. Allons, allons, allons chez nous, il y a la paix. Allons, allons chez nous. Et moi je crois de tout mon cœur, allez ensemble avec Jésus. Avec lui dans l'éternité, sur son trône de gloire. Allons chez nous, allons, allons, allons chez nous, il y a la vie. Allons, 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 allons chez nous, allons, allons chez nous. Et toi mon frère, et toi mon frère, dépêchons-nous, ne retournons plus en arrière. Les choses humaines vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Et toi, ma sœur, et toi, ma sœur, dépêchons-nous, ne retourne plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons, allons chez nous. Allons chez nous. Allons, allons. Allons chez nous. Il y a l'amour. Allons, allons. Allons, allons à la maison. Allons, allons. Allons chez nous. Il y a la paix. Allons, allons. Seigneur, te bénisse richement, mon frère. Nous allons réellement nous tenir debout, prier, et alors nous allons aller dans la pièce à côté où nous allons assister réellement au service de baptême. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Une très très bonne semaine à chacun. Et si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le mardi. Alors que nous allons sortir, mon frère Isaac et notre frère, bienvenue, vont chanter. Levons-nous, s'il vous plaît. Mon frère Zaché, je ne sais pas s'il est à proximité. Viens, mon frère, s'il te plaît, prier pour congédier les frères et sœurs et pour la communion fraternelle aussi et pour le service de baptême de tout à l'heure. Que bonheur de marcher avec lui. Que bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Que bonheur de marcher avec lui. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Jésus-Christ, je crée aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur. Alléluia, gloire à son Seigneur. Jésus-Christ reviendra dans son règne et mènera. Avec lui, gloire à son Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Père.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le même, encore aujourd'hui, mon sauveur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu dis, la chose arrive, et quand tu donnes, il existe réellement. Aujourd'hui, encore, tu nous as parlé, mon sauveur, pour nous témoigner de ton amour, mon sauveur, avec tes enfants à toi, Père. Ta parole dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Aujourd'hui encore, tu te révélais à nous, mon sauveur. Nous, tes enfants à toi, Père. Un peuple acquis à la gloire de ton nom, mon sauveur. Et tu nous conduis sur ton chemin, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Tu as racheté un peuple à toi, mon sauveur. Et tu rachètes encore aujourd'hui, mon sauveur béni. Satan a été vaincu. La victoire est à toi, à notre Dieu, le véritable. Nous sommes reconnaissants, mon sauveur béni. De ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'assures ton amour à mon frère, à ma soeur. Hier, nous étions morts. Aujourd'hui, nous sommes vivants au siècle des siècles, mon sauveur. Bientôt, nous régnerons avec toi, mon sauveur. Car c'est ta promesse à toi, mon sauveur béni. Oh, puisse ton esprit, Seigneur, te paix. Être notre lot, mon sauveur béni. Nous remplis, Seigneur, pleinement, mon sauveur. Et que les enfants, Seigneur, les œuvres de tes enfants, puissent se manifester, mon sauveur béni. Oh, comment te dire merci pour cette journée, pour cette matinée que nous accordons, mon sauveur, d'être mis dans ta présence, mon sauveur béni. Et l'homme qui t'a mis dans ta présence, mon sauveur, et d'y agir encore de te manifester, mon sauveur, pour tes enfants, ton père. Et ceux qui sont à toi, oh Dieu, ils ont entendu le message qui a été apporté, mon sauveur. Car ce matin, c'est masse à toi, mon sauveur béni. C'est masse qui a été plantée, Père, et qui a été l'arrosée, mon sauveur. Que ce m'a produit le fruit pour lequel tu l'as envoyé, mon sauveur béni. Nous sommes à la cause, mon sauveur, et ceux qui nous sont à ta masse à toi, Père. Et bientôt, nous prêterons, Seigneur, aux cieux, le fruit pour lequel, Seigneur, tu l'as amené, Seigneur, si tu étais, mon sauveur béni. Nous sommes à la cause de ma bénisse, mon sauveur. Béni chaque frère, chaque sœur qui a répondu à notre Père. Il a attendu ta voix, mon sauveur. Continue l'œuvre qui t'a commencé, mon sauveur. Déjà, tu t'es manifesté, mon sauveur béni. Avec les témoignages qu'il faut attendre, mon sauveur béni. Avec les baptêmes, mes seigneurs, qu'il faut répondre tout à l'heure, mon sauveur. C'est pour manifester Jésus-Christ, tu es là, mon sauveur, tu es vivant, à Père. Et tu as tes enfants, Seigneur, qui entendent les paroles et qui peuvent mettre les seigneurs en pratique, mon sauveur béni. Crois seulement, mon sauveur. C'est ce que tu dis, mon sauveur. Nous croyons que tu es la vie. Que tu croyons que tu es le même. Le véritable, mon sauveur. Agis pour t'assurer, mon sauveur. Bénis nos bien-aimés, mon sauveur. Dis qui vont prendre des maladies, le baptême tout à l'heure, mon sauveur. Nous recommandons à ce mon sauveur. Puisse ton esprit reconduire, Seigneur, tu sur le même Père. Bientôt, c'est la victoire, mon sauveur. Tu as tout accompli à Golgotha, Père. Tu es mal ressuscité, mon sauveur. Et tout le monde vive aussi qui est de ses pères. Nous aussi nous sommes vivants, à Père. Nous sommes passés de la mort à la vie, Père Céleste. Et c'est cette vie, c'est manifesté quand tu m'as considéré tes pères sauveurs. Et que le monde puisse voir ma Christ, Christ qui s'y fait, mon sauveur béni, et qui serait cette Père dans la vie de chacun de nous, mon sauveur béni. Béni ton serviteur, Dieu qui est là ce matin, mon sauveur. Nous sommes reconnaissants de ma merci, Père, ce que tu fais pour nous, mon sauveur. Ouvre nos yeux, mon sauveur béni. Ouvre nos yeux, Père. Que nous m'attirons à toi, c'est Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu de me réveiller, qui fait des choses que nous ne peut faire et ne peut imiter, mon sauveur. Personne n'est comparable à toi, mon sauveur. Tu es assis ton trône, la tête de ma chapelle, mon sauveur, la tête des hommes, Père. Noé t'a expérimenté, mon sauveur. Abraham t'a expérimenté, mon sauveur. Et les hommes qui se trouvent dans ton livre, mon sauveur, tu m'as expérimenté. Comme nous avons dit, dans le livre des Hébreux, mon sauveur. Nous, c'est super. Aujourd'hui, nous pouvons t'expérimenter, Seigneur. Nous pouvons témoigner que tu es le Dieu véritable, Seigneur. Comme notre Seigneur m'a témoigné sur ma tête, à notre frère, oh Dieu tout-puissant, que tu as témoigné encore tout à l'heure, mon sauveur. Béni soit ton Seigneur, mon sauveur béni. Continue ton œuvre que tu as commencé, Père. Achève avec ce que tu as mon sauveur béni. Béni, mon frère qui s'est appelé pour le sauveur de ce matin, Père Céleste. Béni, mon frère Rosal, mon sauveur. Nous sommes un peuple à toi, mon sauveur béni. Nous sommes à ton fils, Père, Père Céleste. Chacun de nous, Père, a une œuvre accomplie dans ta maison, Père. Bénis mon frère Jonas,
Bénis mon frère Joseph et tout ton peuple, mon sauveur béni. Nos bien-aimés qui t'ont chanté, mon sauveur. Oh, que tout le monde te dit merci, Père. Nous recommandons, Seigneur, les dîmes offrandes que ton peuple a apportées, mon sauveur. Oh, puisque à côté du travail, chacun de nous, mon sauveur, qu'il ne puisse manquer dans ta maison, mon sauveur béni. Béni soit ton seul, mon sauveur. Nous recommandons maintenant, nous recevons des baptêmes. Attends-moi, mon sauveur. Que tout se fasse comme toi tu le veux et pour ta sécurité, mon sauveur. Continue ton lever, mon sauveur béni. Bénis aussi la communauté que nous allons avoir tout à l'heure, mon sauveur. Et c'était ta volonté, Père. Viens le matin, viens dans ta maison, Père. Ne manque pas de te louer, te couper, Père. Pour te faire faire, Père. Dans nos bénédictions, tu es ma grâce, tu es puissant. Chaque jour, nous voulons te louer. Chaque jour, nous voulons te glorifier, Père. Quand tu es le même, tu es le même. Et aujourd'hui, tu es le même. Et bientôt, tu reviendras, Seigneur, pour te donner l'épouse à toi, Père. L'épouse à qui nous sommes, mon sauveur, ni. Glorifie-toi, Seigneur, mon sauveur, Père. Au nom du Seigneur et sauveur de Christ. Nous pensons à nos bien-aimés, Seigneur, qui est tout ça à l'écoute, mon sauveur. Déjà aussi béni, mon sauveur, béni. Qui peut être béni, Seigneur, et pour la gloire de ce sauveur. Et nous passons aussi à celle qui est réunie, Seigneur, de par le monde d'aspect, à ton nom, Père. Nous voulons que ton nom soit glorifié, Père. Le nom de Jésus-Christ, le seul qui a été donné, Seigneur, dans le ciel et sur la terre, le seul par lequel nous avons été sauvés, Père. Le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié et glorifié, Père Céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur vous je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parfums, sauveur, toi seul est pour l'éternité, toi seul es digne.
louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur, toi c'est l'indigne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, et toi c'est l'indigne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul l'es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul l'es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour des enfants.
bénisse. Aujourd'hui, ils sont là, mon bien-aimé Seigneur, pour témoigner que ce que toi, tu as dit était vrai. Amen. Parce que ta parole à toi et l'action dans leur vie, Seigneur, aujourd'hui, ils veulent réellement mourir aux choses de ce monde pour vivre pour ta gloire. Père, bénis ces instants, je t'en supplie. Hein. C'est toi qui baptises du feu du Saint-Esprit. J'ai confiance en toi, Père, pour ces âmes, mon bien-aimé Père, pour que leur vie soit complètement aussi transformée. Je veux aussi bénir ce moment. Je t'ai ainsi prié. Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais lire dans le livre de Pierre, et cela dans Pierre au chapitre 3. Et c'est cela que je voudrais lire un peu. Et nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. 1 Pierre 3, 18, 21 dit: «
Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait aujourd'hui, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Oui, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification du souillon du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous pouvons l'entendre aussi, ce que c'est, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est qu'aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, vous voulez rendre témoignage qu'effectivement, que pour vous, le monde n'a plus de sens. Le monde n'a plus d'importance, et ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Que vous voulez mourir aux choses de ce monde pour pouvoir vivre pour le Seigneur, afin de revêtir la nature de Christ. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Chacun de vous doit se rendre compte que ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que je trouve que c'est juste et que j'accepte effectivement cela de tout mon cœur pour que réellement que ma vie à moi soit conforme aux Saintes Écritures. Quand vous allez entrer dans cette eau, et lorsque vous allez ressortir de cette eau, au plus profond de votre âme, vous ne devez plus être la même personne. Parce que ce geste qui va être posé ici ne peut pas être vu comme étant un geste tout à fait anodin. Mais c'est profond. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Celui qui sera baptisé, et qui croira qu'il sera baptisé, sera donc sauvé. Donc le baptême a son importance. Là, vous témoignez aux yeux de tous que maintenant, vous appartenez à Christ. C'est pour ça, avant que nous entrions là, je voudrais quand même poser une question à chacun de vous et que chacun, juste courtement, nous dise effectivement pourquoi aujourd'hui il voudrait être baptisé dans cette eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste courtement, je vais commencer par notre frère Pascal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au fait, je m'étais déjà baptisé quand j'étais en Afrique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mercredi 21 juin passé, quand j'ai donné ma déclaration de départ auprès du pasteur François de l'Assemblée de Viran, il a prêché et dans sa prédication, il a dit, si on cherche parmi ceux qui sont à Bruxelles, si on peut trouver 10 personnes qui ont le baptême du Saint-Esprit, mais auparavant, nous avions fait la consécration de 3 jours de jeûne et de prière, le groupe de veillée, pour savoir réellement que chacun puisse vraiment s'auto-évaluer. Alors, après 3 jours de consécration, dans la nuit, Dieu m'a montré que j'ai presque avoir la moyenne. Donc il me manque 0,8 quelque chose pour la moyenne. Alors ceux qui réussissent, le prof, il garde ceux qui réussissent, ils remettent un cahier. Et ceux qui ne réussissent pas, ils retiennent. Alors, en ce qui me concerne, il a retenu et j'ai dit non, je ne vais pas accepter. Pourquoi on ne m'a pas donné la moyenne? Je vais réclamer. Et quand j'ai commencé à bouder, j'ai dit non, je dois réussir, je ne pense pas. Il a enlevé 0,1 et quand il a enlevé 0,1, j'ai dit d'accord. Donc, il n'y a pas de discussion possible, il ne veut pas qu'on discute. J'ai laissé et puis. Le 21 juin passé, quand j'ai donné ma déclaration de parti, le frère, quand il a prêché, il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Alors, au moment où ça s'est passé après la consécration, où on m'a enlevé 0,1, j'ai dit à frère Benoît, avec qui on fait la veillée,
voilà ce que Dieu m'a montré, mais de ne le dire à personne, mais que ça soit vraiment un secret entre lui et moi. Alors, le mercredi 21, quand le frère il a prêché, si on cherche parmi tous ceux qui prêchent la parole, ou je ne sais pas comment il a, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée de Filan pour écouter la prédication du mercredi 21 juin. Alors, il a dit, si on cherche 10, on ne peut pas trouver. J'ai dit, d'accord, tout le monde est parti à la maison après le culte. J'étais resté et j'ai prié. J'ai signalé à ma femme que je ne viendrai pas à la maison. Donc, je vais passer la nuit à Firan ce mercredi-là. J'étais resté, j'ai prié. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse vraiment atteindre la moyenne de ce que tu m'avais montré? Alors, tu m'as montré une piscine et les gens étaient là. Et j'ai dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est le baptême. Les gens, je n'ai pas d'abord compris que c'est le baptême parce que les gens entraient dans l'eau. Et puis j'ai dit, mais ils vont être noyés, ils sont en train de jouer avec l'eau. Alors ça m'a rappelé vraiment que c'est le baptême. Dieu m'a montré la solution, il faut encore que je me rebaptise. Et c'est ainsi, quand j'ai parlé avec le frère Léonard, le pasteur Léonard le mardi passé, il a parlé, il a dit que les frères, il y a une cérémonie de baptême et qu'il y a plusieurs. Et ce que j'ai vu, effectivement, comme piscine, donc c'est plusieurs personnes, donc ce n'était pas une seule personne. Et je lui ai dit, quand on a fini de parler, que j'ai quelque chose à te dire. Il était pressé que je puisse lui dire la chose. Il dit, après le culte, voir le frère Jonas, et lui, et après le culte, le jeudi. Il a eu beaucoup de personnes, donc il était occupé, donc on ne s'est pas vu. Je lui ai envoyé un mail, il n'a pas répondu, et ce matin, j'étais dans la salle, je suis en train de prier, il m'a appelé, et il dit, tu voulais me voir, mais je lui ai dit, voilà, ce pourquoi je voulais te voir. Tu as dit exactement ce que je pensais te dire, et alors c'est ainsi que j'ai dit, je n'ai pas des habits de rechange, comment on va faire? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, dit au frère Zachi, il va s'en occuper. Donc je dis, ce n'est pas une question d'option où je veux ou je ne veux pas. Donc je lui ai dit que je veux maintenant obéir à toute la parole de Dieu pour plaire vraiment à Dieu, non pas pour faire du jeu, mais vraiment pour obéir à toute la parole de Dieu. Et frère Donat était très content, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bonjour à tous. Je pense que la plupart d'entre vous savent que moi j'étais baptisée mais catholique. Du coup, en parlant beaucoup avec le pasteur Léonard, je me suis rendu compte que j'étais sous la main de quelqu'un, de quelque chose, mais pas de Dieu. Moi j'aspire à une vie paisible, que ce soit dans mon cœur ou dans mon âme. Et du coup, j'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui en votre présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, tout simplement, moi j'étais musulman. J'étais allé en Afrique en vacances et j'avais fait beaucoup de choses. Mais je suis footballeur professionnel. Ils m'ont fait faire beaucoup de choses en pensant que ma vie allait avancer. Mais j'ai constaté que ça n'allait pas. Donc, grâce à Vladimir, je l'ai croisé, il m'a parlé de Jésus. Et déjà en Afrique, on m'avait parlé de Jésus. J'ai été délivré, Amen. Et pour moi, je suis rentré, les choses ont commencé à marcher. Amen. Et grâce à elle, elle m'avait parlé du pasteur, et je l'ai croisé deux, trois fois. Il a encore prié pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Baptisé aujourd'hui en présence de tous. Amen. 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 Bonjour mes précieux frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Peut-être êtes-vous étonnés que je prends le baptême aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. J'ai déjà été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il a manqué quelque chose. J'ai été baptisé dans une baignoire. Ça fait un demi-siècle, et ça a toujours été un problème pour moi. Je ne savais pas comment régler le problème. J'étais vraiment insatisfait dans mon cœur, et chaque fois que je voyais des baptêmes, je convoitais un petit peu mes frères et mes sœurs qui se faisaient baptiser, parce que je disais qu'ils ont été baptisés dans un baptistère. Pour moi, c'était, je voulais être baptisé comme Jésus-Christ dans le Jourdain. Mais Jourdain, il est trop petit, il est trop grand pour pouvoir l'amener dans une pièce. Je disais, mon petit Jourdain, c'est une baignoire, un baptistère. Être en contact avec le frère qui me baptise et puis moi. Voilà, c'est ça ce que j'avais dans mon cœur. Je voulais vraiment être identifié à la parole. C'est la priorité des priorités. On aime notre Seigneur
Et on est prêt à tout pour lui. Amen. Et que rien ne puisse clocher, qu'il n'y ait rien, qu'il ne puisse pas y avoir un doute. S'il y a un doute ou quoi que ce soit, il faut l'anéantir, il faut le bannir. Amen. Et là, Dieu avait mis sur mon cœur de parler à mon précieux frère Léonard de cette situation. Et il était d'accord de ce que je me fasse rebaptiser. Et là, quand j'ai vu cela, c'était une grande joie dans mon cœur. Amen. Ah, j'étais heureux. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Vraiment. Je me souviens, quand j'avais été baptisé, je vais chez les pentecôtistes, parce que j'étais pentecôtiste au début de ma conversion. Et ils venaient de faire construire une église. Et l'église, il n'y avait pas de baptistère. Et j'attendais avec impatience la création de ce baptistère. Et je l'ai harcelé. J'ai harcelé que le baptistère, je leur disais, mais faites vite, parce que moi, si le Seigneur me reprend, je ne suis pas prêt, je veux être prêt à partir, il faut faire vite. Alors, toutes les semaines, je leur harcelais, ils en avaient marre de moi. Alors, au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, bon, le baptistère, il est prêt. Oh, je sautais comme un agneau, là, heureux tout plein. Quand j'étais baptisé, là, j'étais comme un petit, un veau dans une étable qui est heureux, qui danse, qui saute, là. J'étais vraiment heureux. Les autres ne comprenaient pas, mais moi, c'était une grande joie pour moi que j'avais été baptisé. Bien, je ne savais pas que ce baptême n'était pas conforme à la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de prendre cet engagement à nouveau devant le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Parce que comme nous l'aimons de tout notre cœur, nous voulons faire exactement ce qu'il veut. Alors, je suis heureux de venir et d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et dans les conditions conformes à la parole. Moi, j'ai été déjà baptisée dans une église, mais c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à venir dans cette église, j'ai compris que ce n'était pas le bon baptême. J'ai été rechercher mon acte de baptême. Je lui ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai été revoir la parole qui disait qu'on devait être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai décidé de me faire rebaptiser dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de voir ça. Amen. Nous sommes heureux. Amen. Quel jour de gloire. Amen. Jésus, merci. Amen. Alors j'ai une question à poser à chacun d'eux qui est importante parce que je crois que cet engagement dans lequel vous voulez maintenant y entrer et vous l'avez témoigné vous-même aussi, c'est aussi très important pour vous et aussi très important aux yeux du Seigneur. Mais il faut une déclaration qui vient de votre bouche aussi. C'est ce que Philippe a pu dire aussi à l'évêque de Tobias, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors ma question suivante est celle-ci. Mon frère Pascal Touvigny, que Dieu te bénisse en béni. Je voudrais vraiment savoir si vraiment au plus profond de ton cœur, devant Dieu, devant les hommes et les anges aussi, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de la Bible comme étant ton sauveur et ton maître et qui doit dominer et régner sur toi toute ta vie entière. Oui, je l'accepte. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est une joie pour moi de te voir ici, voyant ce que Dieu a fait réellement en toi. Maintenant, devant Dieu, devant les anges et les hommes, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu acceptes de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ et la Bible comme étant ton maître et ton chef, celui qui a le droit de dominer sur toi, auquel effectivement te donnera effectivement ton âme et de les servir toute ta vie entière? Oui, je l'accepte. Amen. Mon précieux frère Bassadia, le témoignage nous a touchés. Amen. Et je rends gloire au Seigneur si nous avons cette joie de pouvoir te voir. Amen. Ma question, elle est importante pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, de tout ton cœur, de tout ton âme, tu veux vraiment que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ton cœur, qu'il puisse te posséder, être le chef et le maître pour qui tu vas vivre, si tu l'acceptes vraiment comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le Jésus de la Bible, est-ce que tu l'acceptes? Je l'accepte. Amen. Mon précieux frère Marcel, tout d'abord, nous l'avons vu et nous l'avons senti réalisé ici. Oui, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes vraiment aussi consolés aussi. Alors, ma question est la suivante.
Jésus que nous aimons, que nous voulons servir, ce n'est pas le Jésus des églises, mais le Jésus de la Bible. Qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui est aussi le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, tu l'acceptes réellement comme ton sauveur personnel, celui pour qui, effectivement, ta vie n'a de valeur que pour lui, et que ton âme puisse s'accrocher à lui toute ta vie entière, et qu'il soit humain de main de ta vie. Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Nous sommes réellement dans la joie de pouvoir voir, et sachant réellement aussi ce que le Seigneur a fait. Et toi, tu es la petite fille, le fils d'un président. Et dans cette humilité que tu as, on a pu voir que la grâce de Dieu est en toi. C'est vraiment un privilège. Que Dieu te bénisse. Maintenant, ma question est la suivante. Le Jésus que nous adorons, celui qui sauve, qui guérit, qui délivre dans la vie éternelle, c'est le Jésus de la Bible. Est-ce que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, qui soit le chef, qui domine, qui prend le contrôle de ta vie et qui agira aussi pleinement pour toi, que ton âme s'accroche à lui? Est-ce que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel? Oui, je l'accepte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier. Notre Père Céleste, notre Dieu, les témoignages ont été rendus. Chacun de Père a prononcé ses mots à la main. Il accepte toi comme son sauveur personnel. Ainsi, Satan n'a plus de pouvoir et d'autorité au bénémoine Patrice. Ils ont déclaré au bénémoine Seigneur, au détour accepter toi, le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, donateur de ton nom excellent, toi qui donnes la vie éternelle, et le baptême du Saint-Esprit aussi même. Au Dieu, je t'attends, j'aime ta grâce pour moi qui te bien aimé. Prends le compte de ce baptême, bénémoine personne, afin que ceux-ci qui seront baptisés, qui sont à toi, le bénémoine Patrice, toi si l'on est l'Esprit Saint, au bénémoine Seigneur, que ton nom soit le vie, que ton nom soit glorifié. Agis encore, Je me tiens devant ton trône de grâce et ton trône là, il t'a accepté de te sauver. Oh Dieu, il t'a montré combien il t'aime, Seigneur, et sa vie consacrée à toi, Père. Et sur base de sa foi, mon bénéfice, de sa déclaration, je te baptise. Jésus m'a sauvé,
Ton nom soit béni, Père. Voilà. Elle est acceptée de moi, pour la gloire, pour mon Dieu. Je sais en toi que je suis réfugié de ça. Moi, je m'agis de mon roi, ta tout petit, 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 le Seigneur. Bien-aimé, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Père, de ce qui a encore été fait aujourd'hui, Père,
Tu as fait de l'Est et de l'Ouest, du Nord au du Sud, un peuple à toi, Seigneur, à qui pour ta seule gloire, mon Sauveur. Nous te sommes reconnaissants pour ce rassemblement, mon Sauveur. Comme tu as béni et pour bientôt, mon Sauveur. Et ton épouse se prépare, mon Sauveur béni. Et sois que même qui a appelé, mon bien-aimé, à pouvoir prendre le baptême, mon Sauveur, dans ses eaux. C'était l'engagement. Ils ont déclaré, Seigneur, tout à l'heure, mon Sauveur, que maman s'est donnée à toi, Père. Nous en prenons ta grâce, ta miséricorde, mon Sauveur. Maintenant, qu'ils puissent marcher à nouveau toute vie, mon Sauveur. Oubliez ce qui s'est passé, qui est passé, mon Sauveur. Dans leur vie, mon Sauveur, ils ont fait des choses qui n'ont pas honoré, mon Sauveur. Maintenant, ils veulent marcher avec toi, mon Sauveur. Puisse les garder, les protéger dans quel état, mon Sauveur. Qu'ils puissent m'accorder ta grâce, Père Céleste. Qu'ils puissent vivre la vie de Jésus-Christ, au Dieu. C'est notre prière, mon Sauveur. Oh, comment te dire merci, Père. Nous sommes dans la joie, dans la grâce. Déjà dans le ciel, mon Sauveur. Chante, Seigneur. Chante, Père. Pour ce que tu as fait aujourd'hui, mon Sauveur. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et vous le faites, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.